Bonsoir à tout le monde. Greetings to everyone. Moi, je suis content de faire pour que nous capables ensemble encore une fois. Quittez me dit nous bienvenue à tout le monde qui branché. We happy to have everyone already on the line with us tonight. We have a very important topic tonight. Un sujet qui est vraiment important que nous gagnons à soi. Nous allons continuer avec chapitre 21 et chapitre 22 en foi chrétien. Chapter 21 and chapter 22 of Adventist Home. So we're going to go ahead and get started. We want to thank again, we want to thank everyone for joining us. Before we get started, because we have a very interesting study tonight, a very important topic, let's go ahead and say a short word of prayer, and then we'll get started. Father in heaven, I thank you for all you've done. I thank you for bringing us together tonight to study. Oh Lord, please be with us. Please, may your holy angels watch over us. We pray that this study will be a blessing to all of us tonight. Make it plain to us, Lord, please. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so chapter 21. Chapter 21, c'est lui que n'a pas assoué. Bon, chapitre 21 n'a pas en pile, so n'a pas 21 et n'a pas 22. Since chapter 21 is very short, we'll see chapter 21 and chapter 22 tonight. And chapter 21 is entitled Advantages of the Country, Les Avantages de la Campagne. So, avantages qui gagnent le nap vive en la campagne. Comparativement à le nap vive no video. So we're gonna get started, and if you get question, just give us a minute after we finish, and then we'll take your questions after that. Okay, so if you get question, just hold on a moment, wait, and then when the question time comes, you can ask your question. Conseil à un citadin. Ne considérez pas comme un sacrifice de devoir quitter la ville et de vous établir à la campagne. En effet, de riches bénédictions y attendent ceux qui veulent les saisir. Do not consider it a privation when you are called to leave the cities and to move into the country places. Here, there awaits rich blessings for those who will grasp them. So you can be in the country and not grasp the blessings. You could be in the country and still have a city mindset. So when we are called to leave the cities, do not think it's a privation. Pas penser que c'est sacrifice qu'on fait pour quitter ville ou à la campagne, parce que c'est bénédiction qu'on va joindre à la campagne. À plusieurs reprises, le Seigneur a fait savoir que son peuple doit éloigner ses familles des villes et les établir à la campagne, où elles peuvent cultiver les produits dont elles ont besoin. Car à l'avenir, pouvoir acheter et vendre deviendra un sérieux problème. Again and again, the Lord has instructed that our people are to take their families away from the cities into the countries where they can raise their own provisions, for in the future, the problem of buying and selling will be a very serious one. So clear. That's very clear, saints. It is something that the Lord has shown her over and over again, that we are to take our families away from the cities. One of the reasons, in the future, you can't buy or sell. You know, we need to really, you know, practically think about this. What is it going to look like when you can't buy or sell? Ok, faut que nous chita pour nous penser à ça, pour nous, le pas acheter ou pas vendre, comment ça va vraiment y est? Est-ce qu'on va toujours habiter dans les villes
pour que vous puissiez acheter ou pas vendre. So we need to think about these things, saints, because they're very important, very important. Ce serait une bonne chose pour vous d'abandonner tous vos soucis et de vous retirer à la campagne où les influences qui corrompent les facultés morales de la jeunesse ne s'exercent pas de façon aussi intense. It says, it would be well for you to lay by your perplexing cares and find a retreat in the country where there is not so strong an influence to corrupt the morals of the young. So, family that have children, it's best to go ahead and do that. And do that now, you know. Look for places in the country. Talk to people that's in the country. Go visit the country. Do that. Because it says you need to go away from the cities. And it says there is not as strong influence as in the country as it is in the city. That's another issue. So even in the country you see how hard it is to raise your children because of the tendencies that they are born with. You know, it's already hard as it is. Imagine they got more stuff that they're seeing, and those things are corrupting them, the judgments and stuff like that. So that's double work for us as parents. Il est certain que la campagne, vous ne serez pas entièrement à l'abri des soucis et des problèmes, mais vous y éviterez un grand nombre de maux. Car vous fermerez la porte à une foule de tentations qui menacent de dominer l'esprit de vos enfants. True. You would not be entirely free from annoyances and perplexing cares in the country, but you would there avoid many evils and close the doors against a flood of temptations which threatened to overpower the minds of your children. So, yes, in the country, Satan is everywhere. Satan is, you know, and the country is everywhere. We're not saying that you're going away from Satan. He's everywhere. There's going to be issues everywhere. But it says you will avoid many evils in the country. There are things that you don't need to worry about when you're in the country, and especially when it comes to your children. So we need to keep that in mind. Keep that in mind. Dieu nous a entouré de magnifiques spectacles de la nature pour susciter notre intérêt. Il veut que nous associons les gloires de sa nature à son caractère. Si nous étudions soigneusement le livre de la nature, nous y contemplerons avec fruit l'amour et la puissance infinie de Dieu. Autant que possible, les mauvaises habitudes comparables aux mauvaises herbes. Autant que possible, le foyer devrait se trouver loin de la ville, dans un endroit où les enfants disposeraient d'un terrain à cultiver. So we're talking now about the wrong habits. They are seen as weeds. If possible, the home should be out of the city, where the children can have ground to cultivate. Apprenez-leur à réprimer les mauvaises habitudes, comme ils luttent contre les mauvaises herbes de leur jardin. Cet enseignement vous prendra du temps, mais il en vaut grandement la peine. Teach them to keep down wrong habits. As they keep down the weeds in their gardens, it will take time to teach these lessons, but it will pay, greatly, greatly pay. L'ambiance du foyer, une illustration de nos croyances. Devant Dieu, les parents sont placés dans l'obligation de créer autour du foyer une ambiance qui corresponde à la vérité qu'ils professent. Ils peuvent ainsi donner un enseignement correct à leurs enfants, et ceux-ci sauront établir un rapport entre le foyer d'ici-bas et celui d'en haut. Parents, you are under
obligations to God to make your their surroundings such as will correspond to the truth they profess. So this is telling us that the truth that you say you believe in, you need to have your surrounding correspond to that. So, for example, if you believe there's going to be a Sunday law where you can't buy or sell, then you need to live it. You see what I'm saying? Like Noah, same thing. Noah believed there was going to be a flood, even though he has never seen floods before, and he has never seen rains before. He believed that. But what did he do that showed that he believed? Because he did what God asked. He built a boat. So saints, what you and I need to do, nous besoin commencer pratiquer message que nous-mêmes nous gagnons. Faut que nous pratiquions le message que nous gagnons. Parents, cherchez à vous fixer à la campagne. Les trésors de la nature sont les silencieux témoins du Seigneur qu'il nous donne pour nous enseigner des vérités spirituelles. Il nous parle de l'amour de Dieu et nous dispense la sagesse du grand artiste et maître. The things of nature are the Lord's silent ministers given to us to teach us spiritual truths. They speak to us of the love of God and declare the wisdom of the great master artist. Again, when we are in a plain nature, le nous sommes dans la nature, nous contemplons les œuvres de Dieu. Ça c'est un témoin silencieux de Dieu qui est lié, côté qui l'a enseigné. You know, it's good when you wake up and that's what you see, that's what you're looking at, the things of God. You don't see the things of men. So, but that's how you aide ou à former caractère au plus pour être capable de sembler à Christ. So, it's very important that you and I, again, saints, all of you that's on the line, you already know that we read that many times over, that it is not God's will that you be in the cities. Nous lisons ça à maintes reprises, nous lisons plusieurs fois. Si que nous-mêmes nous faisons être dû, nous bloquer dans les villes, then nous pas gagner monde pour nous blâmer, but our own selves. We can only blame ourselves because we see it so many times, we read it, and we see the things that's happening among us. And that tells us that a crisis is soon to break upon this world. However, we must do something that shows que nous croyons en notre Seigneur. Now, so we just talked about where we should have a home. A home should not be in the cities. Nous pas supposé, si vous avez un plan pour acheter caille, acheter dans les villes, my brothers and my sisters, si vous avez un plan pour acheter un caille, you need to invest the money in the country. Please. Now, le nous finir caille là in the country, let's talk about comment pour nous meubler Kaiser. That's chapter 22, okay? Building and furnishing the home. Construire et meubler Kaila, la maison. All right, let's get started with chapter 22. Assurer l'aération, l'ensoleillement et une bonne irrigation. Dans la construction des édifices publics ou privés, on devrait tout disposer de manière que le soleil et l'air y pénètrent suffisamment. In the construction of buildings, whether for public purposes or as dwellings, care should be taken to provide for good ventilation and plenty of sunlight. You know, ça c'est un conseil toute majorité de l'église nous va suivre. Et malgré nous avec une fenêtre, bon, parfois même si tu vas faire chaud, vidéo va ouvrir, c'est ici qui ouvre. That's a problem. So when you build a building, il faut qu'on fasse en façon pour que le vent rentre, le soleil rentre là-dedans. Le soleil rentre là-dedans. C'est très important. Parce que l'on parlait de maladie que nous-mêmes avons contracté dans le temps qu'on a vécu là, en plein où tu es capable de solutionner si que we have listened to the counsel that the Lord has given us. Autant que possible,
Les maisons d'habitation devraient être construites sur les hauteurs, sur un terrain bien irrigué et sec. Cette question est trop souvent considérée à la légère. So far as possible, all buildings intended for human habitation should be placed on high, well-drained ground. This will ensure a dry site. This matter is often too lightly regarded. So, for those that plans on build their own home in the country, you need to make sure it's somewhere high. And it's the same thing too. If you buy a home in the country, you got to look for all these things. Pour que Kaila non seulement les bien élevé, leur gain la pluie, pour ne pas envahir à de l'eau, leur finir encore tout pour faire un bon soleil, rentrer dans le chambio, tout barré, pour que nous pas inviter une série de maladies la Kaila. Il est particulièrement important de prévoir pour nos maisons une bonne aération et une grande ensoleillement. Chaque pièce devrait avoir une abondance d'air pur et de lumière. In the building of houses, it is especially important to secure thorough ventilation and plenty of sunlight. Let there be a current of air and an abundance of light in every room in the house. Mais tout particulièrement la chambre à coucher. Il ne faut pas dormir dans une pièce où l'air et le soleil n'ont pas libre accès chaque jour. Wow. Lisa, this is very important, Saints. Let's make sure we listen to this. Sleeping rooms should be so arranged as to have free circulation of air day and night. No room is fit to be occupied as a sleeping room unless it can be thrown open daily to the air and sunshine. Dans la chambre de dormir, si la journée, il faut qu'ouvrir pour que le soleil rentre, pour le vent rentre là-dedans. Mais la soirée même, depuis le pas trop chaud, on peut faire ça. So, si la chambre n'a pas un soleil qui rentre là-dedans, ça veut dire que le monde n'a pas supposé dormir là-dedans. Très important parce que la chambre rentre là, il fait noir. Le monde n'a pas rentré. So, we need to make sure that our rooms are properly, bien positionnés. Pour que le soleil rentre dans eux et pour que l'air rentre dans eux. So, don't be afraid to open your windows. Well, the problem is, if you're in the cities, you want to keep your windows closed because of all the noise, the music. This is not God's will. If you're in the country, you have no problem to open your window. See, this is another reason why God is telling us que nous pas supposés dans les villes. Parce que pas qu'à vraiment ouvrir les fenêtres où ils vont avaler pour air, pour soleil à rentrer. À cause de musique qui gagne, on a fumé dehors, hein? Bon, bonne cause. Une cour agrémentée de quelques arbres et de massifs d'arbustes placés à une distance convenable de la maison exercera une heureuse influence sur la famille. Un tel environnement, si on sait bien l'entretenir, ne saurait être préjudiciable à la santé. It says a yard beautified with scattering trees and some shrubbery at a proper distance from the house has a happy influence upon the family, and if well taken care of, will prove no injury to health. You know, that's another thing too. You don't want trees too close to your house. You don't want trees too close to your house. It can cause all kinds of issues, molds or pas soleil qui bien rentré. So besoin distance, faut qu'on distance. Saints. Tout, that's why when you're looking for a house, faut que meet tout critère ça yo. You have the house has to meet tout critère ça yo que n'a parlé là. Faut qu'elle a positionné au côté que pour soleil, puis bois pas trop couler sur qu'elle là. Faut que chambre dormir au soleil qui rentre dans sans problème. Faut que vent qui rentre dans sans problème. So, il faut qu'elle n'a pas dans un bas fond, faut que something I do on a little hill or something, like, puis élevé, parce que coup de l'eau va rachiter, parce que si l'est pas élevé, then you can be flooded out. So when you look for a home in the country, Saints, you gotta make sure you look for all these things. Les critères, ça va pas faire qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait belle, mais il va mettre critères, so nous obligés de rejeter. C'est vrai, ça. We can't do this with our emotions. We gotta do this. Using the word of God.
mais des arbres et des arbustes touffus qui enveloppent en quelque sorte la maison rendent l'endroit plutôt malsain, car il empêche la libre circulation de l'air et forme un écran devant les rayons du soleil. But shade, shade trees and shrubbery close to dense, are close and dense around the house make it unhelpful, for they prevent the free circulation of air and shut out the rays of the sun. Même ça nous dit là, ou pas à gagner un caille pour pied bois trop collé sous lit. And unfortunately, this is more for people that within the country is talking about. So when you look for a home in the country, Saints, make sure. Si le gagne pied bois qui trop collé sous lit, ça va avec tout pas à prendre caille là, mais on va simplement déposer un petit cob, dépenser un petit cob pour faire couper. Pour qu'il y ait un petit espace entre Kailan et Pibouayo. Parce que nous avons besoin de bon sunlight. Hey, you know, when tornadoes come, when these things come, you can affect the cow to see if Pibouayo ou Kailan. So we need to think about these things. Nous faisons des décisions pour nous acheter Kailan à la campagne. Et j'en ai dit à l'enseignement, je m'apprécie dire encore. Sou gen plan pou investi, pa investi no more money by buying a home in the cities. Don't do it. If you buy a home in the cities right now, it's a mistake, Saint. I tell you this, because sa ka koz ou kol le lanan ve lomba vle gete soti anko. So please, nou menm kitan de mesaj yo, an nou mande bon Dieu, ou an nou wabi se mande bon Dieu, eske se salve pou nou fe, paske nou deja we, se salve pou nou fe. Let's just ask him, give us the strength that it takes, the faith that it takes to make this move and get out. Please, Saints. Le mobilier de la maison doit être simple. Nos habitudes artificielles nous privent de beaucoup de joie et de bénédiction. Elles nous empêchent de vivre le plus utilement possible. Un ameublement recherché écoute, n'est pas seulement un gaspillage d'argent. Meublez votre maison d'objets simples, durables et pas trop lourds, qui puissent être entretenus facilement et remplacés à peu de frais. So now let's talk about when you have the home in the country, when you have your home, comment nous, ça nous parle mettre là-dedans. Parce que il y a plusieurs fois il y a un compte qui fait dans frère yo parce que monde a besoin c'est ce monde a besoin c'est là. Now, it says our artificial habits deprive us of many blessings and much enjoyment and unfit us for living the most useful lives. Elaborate and expensive furnishings are a waste not only of money but of what of that which is a thousandfold more precious. So when you have a home and you buy expensive furniture and spend thousands of dollars to make a cabin, to make this, it's a waste of money. It's a waste of money. Because again, why do we do that? It's the beginning of the quote answer the question. Why do we do that? It's because of our artificial habits. Nous avons habitude qui artificiel. Qui pas naturel. On va dire qu'il est artificiel, on va dire qu'on forge. Ça veut dire l'habitude que moi, on nous prend à cause de nous, l'autre, on a fait. Nous voulons faire tout. Ça, c'est une habitude artificielle. À cause de ça, il vient priver nous de toute joie et bénédiction que nous sommes capables de faire. Et l'on a meublé caillou. It says to furnish your home with things plain and simple. You don't need anything heavy, expensive, and none of that. Things that will bear handling, that can be easily kept clean, and that can be replaced without great expense. Parce que l'achat de bagages chers, vous voulez changer, vous voulez changer de bagages chers, vous achetez encore. C'est that's issues. Those things, Saints, l'achat de bagages chers, mon qui va manger, mon qui a un problème, même dans le pays noir Haïti, pour dépenser un certain de l'argent, dans bagages chers, juste pour qui? Pour l'homme qui vient là, il y a un peu belle. Ça, c'est vanité. Ça, c'est vanité, chers frères et sœurs. So, we need to guard against this.
L'ambiance du foyer est une illustration de nos croyances. Un étalage superflu ne saurait apporter le bonheur. Cependant, plus l'aménagement d'une maison sera simple et ordonné, plus grand sera le bien-être qu'il procurera à ses occupants. Happiness is not found in empty show. The more simple the order of a well-regulated household, the happier will that home be. So it's not about fait bel bagay, bel kay, pou pa invite moun la kay ou fait bemete bel kay pou lè moun vin la kay ou pou ka di, oh, that's nice, that's nice. Those things doesn't matter, saints. Nou pa trying to, we're not trying to please people. Ok, nous voulons que nous kembe kay nou pou bagay yon achete maintenant, yon an plus simple. Ou pa bezan yon extravagant. Parce que tout l'argent ou gen, bon Dieu ba ou gen pou rendre compte comment te dépense. So, we have to think about this. Le nap est bien meublé kay nou. Ok, très important. Éviter le snobisme. La vie apporte déception et chagrin à bien des personnes qui se donnent inutilement de la peine. À force de vouloir imiter ce qui se fait, elles s'encombrent d'activités inutiles. Leur esprit est constamment préoccupé de savoir comment elles pourront satisfaire les besoins qu'exigent l'orgueil et la soumission aux impératifs de la mode. Now, saints, this is so important. We're talking about the spirit of rivalry. Et tel gen se si, fok moun gen tout. Tel moun gen tel bel machine, ou mèm tou fok mal li mal pou an tout. Moun nan gen bel, ou rentre la ka moun sa te kon bel salon. Oh, fuck, I'm getting to oh, no, saints. If we're doing this, then there's a problem with our Christian experience. No, oh, no. Nous parlons pas avec ça même pour garder ça mon nan gain pour besoin gain tout. Non, this is what this is saying. Okay, let me read that in English. Que j'aime lire en anglais pour nous. Life is a disappointment and a weariness to many persons. Because of the unnecessary labor with which they burden themselves in meeting the claims of custom, their minds are continually harassed with anxiety as to supplying wants, which are the offspring of pride and fashion. Nan bete nou problem, nou bezo konen, oh, kon bezo fè sa, kon pot fè sa. And then, it's nothing, it's just sop chèche ou seulement besoin exigé ou besoin comme si son orgueil li vinye, oui, it's a pride pour gagner and or follow fashion, and then because of follow this because you're following these things, you want to do what you see other people do. It's the same thing when we dress too. We can also follow these counsels for dress. De l'argent, des soins et des efforts sont prodigués. Pour des choses qui sans être absolument préjudiciables ne sont pas nécessaires. Si tout cela était utilisé dans des buts plus élevés, la cause de Dieu progresserait considérablement. The expense, the care, the labor, and labor lavished on that which, if not positively injurious, is unnecessary. Would go far toward advancing the cause of God if applied to a worthier project. So, le nou ap depanse la ajan, se fransesyon, pou nou fe, e moun we. Li di, nou te ka itilize kop sa, pou nou avanse travay bon Dieu. Look, gen plusieurs pasteurs de yon kap pwese bon mesaj. Ede yo. Help them. I mean, you have ministries like Amazing Facts. You know how many people are in the church is because of amazing facts? You know? Help them. Give them a bow a deal. You can do that. God, you know, God prefers ou ka aider moun ki nan bezwen. As opposed to you and I, we'll just go ahead and spend our money just for pride, for fashion. Saints,
this is so important that you and I, we need to make sure that the way we spend our money, God is going to ask us how you spent your money. You know, si nou te mal depanse yo, an nou mwede pou kon nan menaje, nou mwede 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 pardonem. Paske mwen te mal depanse la ajan ki yo bay mwen pou mwede jere. Un regrettable esprit de concurrence pousse les personnes d'une même classe à rivaliser dans l'étalage de leur acquisition en matière de vêtements et de mobilier. A lamentable spirit of rivalry is manifested among persons of the same class as to who shall make the greatest display in the matter of dress, in the matters of dress and a household expenditure. Oh, saints. I don't know if you see what I see. Oh, I don't even know what to say. Look. On monte à l'église, oh, dame, ça te mette telle jupe, telle robe, oh, et telle ou elle. On a un tel pas besoin d'acheter un qui piche ou un qui même javel pour le faire ou elle qui a mette tout. M'vle pour monte à l'autre, monte à habiller en façon monte à te nice, bien habillé. Qu'on a ou même ou vle, albaïti ma ou problème pour qu'a habiller nice tout. Si mari n'a pas un fort li, bon, problème dans la maison. Ici? Il dit c'est un esprit regrettable que nous gagnons entre nous qui chrétiens. Nous gagnons un esprit regrettable pour qui ça? Parce que nous gagnons un rival, nous sommes un rival entre nous. Et comme si nous avons un rival ou parce que nous avons le good ou you want to overdo the person. Faut qu'on fait un bain qui plus. Saints, those things are qualifying us for hell. Bah, ça, il y a qualifié nous pour l'enfer. Non, il va dans le ciel. Il va qualifier nous pour le ciel, chers frères et sœurs. Très important. Bagaïti, de la raison, c'est vanité. Vanité. So, you and I, qui souligne la suivre, maintenant, bon Dieu, voulez, si vous ne connaissez, bon Dieu, pas de problème avec vous. Mais quand il y a là, dès qu'on connaît, then, bon Dieu, espérez pour que nous puissions faire des changements. Beaucoup sont malheureux dans leur vie familiale parce qu'ils veulent à tout prix sauver les apparences. Hélas, many are unhappy in their home life. Why? Because they are trying so hard to keep up appearances. Oh, mon n'a pas qu'à offrir d'argent là, mais faut qu'il keep up avec l'autre monio qui n'a l'église côté lié. Puis on va dire ça, c'est malheureux lié, maintenant on a souffert la gagne là. Attendez, listen, saints. When you go to a church in the cities, et ça, Abdullah a fait expérience. Lorsque vous allez dans l'église qui est dans la ville, parce que nous avons dit que la vie qui est dans la ville est la vie artificielle. The life in the cities is a life that is artificial. That's what we read. So what's happening is this. Parce que moun sa, faut que tu jipli rive dans genou, ou même sou ta vle habillé convenablement, ou sont tout pas, ou sont tout out of place, ou sont tout comme si c'est ou qui weird. Bon, l'oral non l'église, à la campagne, côté que tout moun habillé sep, den ou pas gen kin problème pour habillé sep. Mais l'on côté non l'église, côté que tout moun besoin show off, et leaders nous yo démissionné, parce que vous quittez, j'ai ouvert. Oh man, oh, this thing bothers me so much. Lord, please help us. Like, comme si nous démissionnions en tant que leader dans l'église, bon Dieu. Hein? Nous quittez mesdames, vous montez, j'ai ouvert, et puis là, vous montez sous chien, y a serré à TGP, comme si y a tiré le descend, comme si vous. Ou qu'on est le t'écoute. Pourquoi vous avez le sous chien, vous battez croisé pied. Oh, because. Faut qu'il keep up. C'est problème dans ça, oui. Faut qu'il keep up avec l'autre mounio. Si l'habit est simple, parce que ça fait, je me dis dans cette expérience. Leur habit est simple pour aller, ils disent, oh, ou, c'est grand moun, oh, oh, c'est Sister White, oh, c'est grand moun ouvre, regardez comment on va habiller, puis c'est grand moun. Non, see, this is Satan. This is satanic. This is satanic. We have it upside down. The people that's following Christ. C'est eux-mêmes qui nous persécutent.
That's why the Bible says in the book of Matthew, chapter 16, I believe, 16. Qui ont l'air d'arriver, on a tué ou il a pensé que c'est bien à faire. Parce que mon avis est tellement deceived by the devil, mon a pensé que c'est l'igna chemin ou même who that's trying to walk the life that Christ wants you to walk, le diable ou même c'est extrémiste. C'est extrémiste que vous êtes. C'est vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Il dépense beaucoup d'argent et travaille sans répit pour éblouir leurs relations dont ils recherchent les louanges et qui en réalité ne s'intéressent pas plus à eux qu'à leurs richesses. Wow, it says they expend large sums of money and labor unremittingly that they may make a display and gain the praise of their associate. Those who we call who really care nothing for them or their prosperity. I'm wondering, say, nous qui sommes là, est-ce que nous ouais ça s'appelle là? I think, but let me make sure that que nous ouais, parce que me sens comme si nous pas ouais ça s'appelle là, soit à même. Ah, les comme c'est seulement qui ouais ça s'appelle là. Do you see ça s'appelle là, chez vous les chers? Les dit nous dépenser. Comme si nous étions c'est là pour ouais que nous avons un prophète tout bon. Le bon Dieu a la vision, ça va pour écrit, ça va écrit là. Ben, c'est ça que nous là, qu'on y est là, qu'on a fait. Et nous, c'est exactement ça qu'on a fait, qu'on y est là, c'est ça qu'on a fait là. Il dit, il a dépensé a large sum of money. Pour qui ça? So that he can make a display. Pour le cas pour le monde parler bien de eux. You know, yeah, on a dit, oh non, monsieur, non, monsieur, lui-même, il est toujours habillé bien. Oh, chemise, il est toujours match, à soulier, toujours. If you're dressing for that, you're in trouble. Nous travaillons sans rester. Deux jobs, sans problème, pour qui ça? Parce que nous avons une machine. N'a pas pour nous acheter. Why vous besoin acheter une machine ça? Pour qui ça, c'est qualité machine ça, vous besoin acheter? Juste pour l'homme hôtel, pour nous parler de vous. Oh! Friends, we are in trouble. Look, we are not ready. We are not ready. Pour ça qui vient pour vivre. Nous pas prêts du tout, chers frères et sœurs. Si notre femme vive là, qu'on est là, n'a pas worry de qui ça pour nous mettre, qui ça pour nous pas dire l'œuvre là, comment pour nous y est. C'est de ça où on va être au problème, on fait souci de barrer ça, on entend ça, on a vivre là, de nous beaucoup prêts du tout, chers frères et sœurs. Le labeur incessant et l'anxiété continuelle qui l'accompagne pour embellir le foyer en vue de susciter l'admiration des visiteurs et des étrangers ne permet pas d'obtenir la compensation correspondant à la somme de temps et d'argent ainsi prodiguée. C'est là s'imposer le joug d'une servitude pénible à supporter. Wow, let me read in English. This endless round of labor, this unceasing anxiety to do what? To embellish the home for what? For visitors and strangers to admire. Never pays for the time and means thus expended. It is placing upon the neck a yoke of bondage grievous to be borne. Oh, saints, I hope none of us on the line listening to me, I hope none of us is doing this. Kote ki wap tiye tetou pou fe karou bel pou le moun vin la karou pou ka di, oh, wow. Wow. Mon ami Kaina. Oh, et bien, nous sommes là encore. Listen to something else. Oh, mon ami, oh, well, oh, mes chambres, non, oui. Mes salons, oui. Listen, if you have a humble home, chances are you're not going to go show people. The thing is, nous tellement quitter la question pour prendre attention. Des gens qui vont poser des questions, ils vont dire, well, what if I can afford it? Because I'm pensé que nous avons pensé ça qu'on est là. Well, what if I can afford it?
What if I can afford a $3,000 bed? What if I can do it? Well, what about those people that can't eat? So what do you think God's going okay, what do you think God wants you to do? That's the question you should ask. Qui sont pensés bon Dieu voulait pour faire? Pour acheter un cabane qui coûtait, un salon coûtait $3,000? Ou bien voulez vous prendre un petit bas prix et puis aider un autre frère à Cobla? What do you think Jesus wants you to do? Parce que je connais des gens qui vont poser des questions, ça, oh, et si je me suis mis à mes yeux pour m'acheter parce que je fais une offre l'argent. Think about other people that's in need, saints. Please. Un principe à suivre en matière de décoration. Ceux qui vivent effectivement dans la maison, doivent occuper les pièces les mieux ensoleillées et les plus attrayantes et disposer chaque jour du mobilier le plus confortable. The very best part of the house, the sunniest and the most inviting rooms and the most comfortable furniture should be in a daily use by those who really live in the house. Ça, son problème lié. Si tout le monde est dans un chien, son problème ça est. Gen carré là-dedans, gon salon. Si moun pa jouer, si moun pa monter sur chez ça ou non? Si le salon ça c'est pour les visites est venu seulement lié. Les autres oublie pas toutes visiteurs non. Yo gen deux, gen trois salons, deux trois salons. Gen yon ti moun ka jouer là-dedans, ka chita sou li. Gen yon ti moun non, ti moun pa sou li. C'est là on go, on guest vini, on go. Non, il va pas faire. Vous savez là, il dou côté plus confortable on a caille là. Faut qu'on make sure ti moun nou, moun ki nan caille là usually daily. Parce que gen plusieurs moun nou kontan. Mon soeur Abdullah se bagay ki m vive. OK? Gen moun ki gen on salon la caille, sa bon ça. Sou li. Ti moun petite pa yo. Pa chita sou li. Non, saint. L'on fait ça, on montre tout le monde que Guillaume Barre est plus important que lui. Guillaume Barre est plus important que lui. So, let's not do that. Et bon, et dans la famille, bon, mais l'autre bagarre encore, qui me vive, non, surtout dans la communauté haïtienne, non. Things that we live, right? There are some, quelques vers. Tout le monde pas boué dans l'eau. Yeah, c'est pour les visiteurs venir et tout monde pas touché la caisse là. Tout monde nous prend dans vieux gobelet et tout monde caillou prend dans vieux gobelet. C'est des gobelets c'est pour les mettre les gros potentats. Les papa les pasteurs l'église en vient présenter de venir visiter. Oui, ça mon point. C'est ça nous caillou utiliser. Listen, saints, what are we doing? We need to make sure that nous pas dépenser énergie nous pour nous faire moun plaisir trop cap vin la caille dans le sens que pour dire oh what a beautiful home you have oh et puis là ça vous senti il gon orgueil cap monter oh yeah vous senti en l'air là comme ça là you're not gonna take somebody that's dirty, somebody that doesn't have a home that's dirty, you're not gonna bring them into your home. Bon gen moun le marche même là yo pa ba ou si par exemple yo wè call sale ou bien they won't give you a ride in the machine yo. Sense. What are we doing? we are in trouble. That's all I can say. We just are in trouble. We in trouble. La bonté et l'amour valent mieux que le luxe. On devrait beaucoup moins se préoccuper du qu'en dira-t-on et penser davantage aux membres du cercle familial. There should be less care of what the outside world will say and more thoughtful attention to the members of the family circles. Listen, toute famille qui est sous les nôtres, nous devons faire attention à ça. Parce que les familles, ils ne sont pas qui sa mari en dit, sa madame en dit. C'est le monde dehors. Ils ont plus quoi sa monde dehors en dit. We need to be careful with that. We need to be careful with that. The outside world is not as important as the family circle. The family circle, ça m'a d'amour pas le penser, ça pitié tout pas le penser, il est plus important
que ça au monde dehors va le penser. Le plus souvent, nous les hommes, nous voulons pour nous paraître bien, pour nous paraître belles devant le monde. Et c'est ça qui est nous put up a front. Nous faisons nous penser que c'est ça mieux, nous pas ça vrai. We need help. We all of us. We talk, and that's me included. All of us. We need help. Et ça qui est si nous nous parlons de l'église. Yo, le nous là, quand c'est l'église, j'en beau le nous là quand c'est l'église beau genouillé le nous l'église là oh nous on l'autre nego oh bon ça va mon frère et puis ou mais ou qui dans machine t'as joué madame non t'as joué timonio si le timonio regarde ça on dit non ça c'est une hypocrisie ça y est parce que nous voulons pas être bien devant Dieu mon qui dehors parce que la caille là it's whatever I know whatever go so we need to make sure that we are on point with this. On devrait moins rechercher l'apparence et l'affection qui s'expriment par des civilités mondaines et cultiver surtout la tendresse, l'amour, la joie et la courtoisie chrétienne parmi les membres de la famille. It says there should be less display and affectation of worldly politeness and much more tenderness and love, cheerfulness and Christian courtesy among the members of the household. Saints, this is it for tonight. Etude ça, moi pour me dire c'est une étude très chargée pour moi. Parce que nous, elle clé à soi, hein. Et pour le monde qui est arrivé en retard, et je vais me faire un petit résumé de ça que je vais parler. Et pendant que nous avons préparé les questions, if you have questions, you can go ahead and let us know. Pendant que nous avons préparé les questions, qui t'aime rappeler nous, de ça que nous avons étudié à soi. So, premier temps, nous avons dans le chapitre 21, hein. Nous avons que, caille nous pas supposé faire dans les villes. Si vous avez un plan pour acheter caille, pas faire dépenses dans les villes, faire à la campagne. Because l'heure arrivé pour nous retirer famille nous, ou retirer nous dans les villes. Parce qu'il dit que, au moment qu'à arriver, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre. Si, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à vendre, chers frères et sœurs, ou pas qu'à dans la ville, si vous dans la ville, non bloqué. Walmart a pas pour vous. Ou pas faire compromis ou pas acheter ou pas vendre. So it's very important that you and I we know that how we need to build our houses and not in the cities, it don't need to be in the country. That was chapter 21. And nous étudié chapitre 22 en tout, qui montre nous le nous caille nous à la campagne. Maintenant, qui comment vous nous meubler? Qui ça vous nous mettre là-dedans? C'est nous dis-nous clair que pas. Occupez-nous trop pour ne pas faire souci, trop pour ne pas faire grand dépense. Pour leur rentrer la caille, nous voulons dire, oh, well, c'est une belle caille ou gain, non. Oh, oh, bel salon. C'est ça ou c'est vanité. L'on fait ça ou pas faire volonté, bon Dieu. Plutôt, l'argent nous supposé là pour faire service, bon Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, est-ce que je suis cobble, est-ce que je suis dépensé. Il y a des gens qui disent ça. Wow, I mean, je suis cobble, je suis acheté un veste. 1000 dollars, nous avons un problème, nous avons un verse 1000 dollars pour mettre sous main. Oh yeah? Oh yeah? Vous connaissez 1000 dollars quand vous allez me dire? 1000 dollars quand vous avez 8 ou bien 6 verses. Vous avez un autre frère, 2 ans. Vous avez acheté 8 ou bien 6 verses, 6 à 8 verses pour 1000 dollars. Belle verse, et vous avez même une belle verse, bien clean, sans problème. Et même quand on a un deux ans, on dit, ben, on fait moi qui pense qu'il a besoin. Fais ça. Bon, Dieu, content, on fait ça. Au lieu de faire une graine pour 1000 dollars. Ça, c'est juste un exemple. So, bon Dieu, voulait pour nous faire attention avec ça qui est le display, pride, et ça qui est le orgueil. Parce que, ben, ça, c'est ça où ils feed, they feed our pride. When we have these things, and nous perdons temps, nous, il dit, nous prenons trop de temps pour notre travail, tuer quoi nous, juste pour que nous soyons capables d'acheter des choses chères, maintenant, quand nous. Oh, brothers and sisters,
when I do this study is for me. This is not for anyone else. This is for me. And trust me, when I'm reading this, I'm learning a lot from this. So, je dis bon Dieu merci parce que vous voyez tout ça pour moi, personnellement. Any questions? Si que c'est pour première fois ou sous l'INA, si t'es relo, si t'es relo, t'es le numéro, on va faire étoile 6, et then, on est capable de monter pour nous parler. Si, if you're using the app, just go ahead and press the question mark for your questions. Anything you have right now, we'll go ahead and take your questions. Whether it's about this topic ou sous une autre question qui n'a rien pour voir avec le sujet, ça n'a pas de problème. On n'a pas entretenu toutes questions. Et on a pour la Bible, on a pour l'esprit de prophétie pour que nous puissions aider à clarifier les questions que nous sommes capables de gagner. Any questions, Saint? Anything you would like to add, you want to say sur le sujet, à ce point? Nous avons un très bel sujet. Et si vous avez une question, faites-moi connaître. Et puis, we have somebody, we have a family estimé that has qui gagne une question. Et ça, c'est nous vraiment contents. Parce que il y a des possibilités pour nous participer à Soya. En aussi bel sujet. Et nous profitons de l'occasion pour nous capables de saluer la famille pour de Marc. Nous capables yeah, nous saluons tout, parce que nous contents. Nous avons souligné avec nous à Soya parce que nous sommes très heureux. Nous sommes très contents pour voir ensemble avec nous passe. Moi-même, je suis vraiment content parce que j'ai des possibilités à Soya. Tout le Haïti, nous avons nourri le désir pour être capable de venir, pour me retendre nous, parce que c'était difficile pour me connecter avec nous Haïti. Même ça, je suis vraiment content à Soya parce que bon Dieu, bonne opportunité pour me suivre nous. Et c'est vrai, nous avons eu l'occasion pour être capable de rentrer pour me saluer nous, tout super branché. Il y a une telle émission qui d'extrême importance. Et à chaque fois qu'on voit ici pour moi Haïti, ça qu'on vraiment touché sur YouTube. Et moi je dis bon Dieu merci pour grand ministère ça que li baou et que va partager avec un pile l'autre frère Axel. C'était que bon Dieu capable continuer bénir, continuer bénir ministère ça et que capable continuer faire route. OK, je voulais faire une intervention. Est-ce que c'est question pour nous poser dans un moment ou bien nous capable faire lumière tout? Yeah. Que pour ça, bon Dieu, mes soukers, ou pas de problème. Question, intervention, pour okay. Ça, bon Dieu, mes soukers, ou pas de problème, passe. D'accord, merci. Et nous vous félicitons pour le sujet à Soya, qui donne une importance capitale. Et sujet ça, lui, extrêmement touché, moi-même spécialement, parce que, on m'a capé évolué dans une grande ville, par exemple à Port-au-Prince, sous habitué avec jeunes, on a réalisé que dans la société de jeunesse, lorsque gagne un programme, surtout le sabbat matin, c'est là où on a le côté qui gagne concurrence entre jeunes, avec jeunes. Et on compte vivre des barrages, quand on a des séries de petits jeunes garçons, petits jeunes, petits filles qui ont grandi, parents n'ont pas de gros moyens. Maintenant, c'est là. Yes, puisque vous avez des amis dans l'église là, parents pas, vous avez des gros moyens, cap forcer pour vous capable arriver à habiller même gens avec si mon parent vous avez des gros moyens dans l'église là. Wow. Donc, danger qui qu'on arrive, c'est parce que bien souvent, foyer ou pas fait travail. Yo. Right. Les parents pas prendre le temps pour apprendre si mon pour vivre avec ça vous gagnez. Vous pas apprendre que à force que vous travaillez, yo capable arriver atteindre des objectifs dans la vie et que yo pas besoin de copier sur monde, yo pas besoin de regarder sur ça monde gagné pour capable arriver faire un bagage dans la vie. En plus de ça, si monde yo pas grandi avec ça nous relé la tempérance. Par exemple, si monde nan parent t'a fait le cadeau cob, yon zami fait le cadeau cob. Si monde nan sorti fait shopping à tout cob là. Oui. Bien souvent, yo pas apprendre si moun yo pou retirer la dîme, lè yo fè yo cadeau, on cob, on l'argent. Donc si moun nan côté yo bal cob la, li tout entre non shop, li dépense tout l'argent, non li pa retirer la dîme la dan, et si moun ta passe tout cob la nan rad seulement.
Et parfois, si mon nan kon bon kob ki ta ka achete 10 ou bien 3 chemises ou bien 4 chemises, j'en so diya, l'acheton seul radavel. Parce que li wè nan l'église algon 6 ami ki genyen on bel chemise. Mais ça a gen moyen pour l'acheter chemise. La même les parents te ka achete 10 chemises, ça pa ta fè l'anyen. Mais si moun ta li même po jab, seulement 100 dollars ta ka dil genyen, li pren l'acheton green chemise avèl. Tandis que, lèl si mette chemise sa nan samedi, jodi a, sa va prochain pa gon lot pou le mette. Donc là, si moun ta li pa apren fè équilibre, li pa gen la tempérance. Donc, m pense que li très important pou parents kap tande yo ki te branche sujet a soi a, pou yo pren le temps pou yo apren si moun yo pou ti moun yo genyen la tempérance, la maîtrise de soi. Pour yo konnen que l'argent qui nan men yo, bien qui nan men yo, que c'est pas pour yo lié. Yo c'est des gardiens. Que ce soit grand monde comme petit monde qui gagne des richesses qui accumulent des biens, faut que nous reconnaissions yo pas pour nous. Donc nous c'est des gestionnaires, nous c'est des gérants de bagages qui nan men nous, mais tout don parfait, tout ça nous recevoir, tout ça nous gagner, yo appartenu à l'Éternel. En sorte que c'est pas seulement bien yo, c'est pas seulement l'argent nous pas de faire ça nous voulons avec yo, mais il y a aussi notre corps. Et lorsque on moun reconnaît que corps appartenu à l'Éternel, reconnaît que corps c'est pour bon Dieu, eh bien l'argent que vous gagnez, ou pas prêt l'acheter n'importe virade pour mettre sous. L'homme dit virade là, c'est pas parce que vous prêt l'acheter un rad chiré, c'est pas parce que vous prêt l'acheter un rad qui est trop gros pour vous, mais il y a des séries de rad n'investit l'argent nous la donne, c'est un péché. C'est des séries de rades que païen a mette. C'est des séries de rades que moun ki pa gen anyen a wè avec Dieu a investi pour yo mette, parce que yo mette rad sa yo avec des objectifs spécifiques. Yo mette le pour yo vendre koyo, pour exposer koyo. Donc, ou moun ki chrétien, ou pa ta dwe investi l'argent nan style de rad sa yo. Il faut que nous reconnaître que le chrétien li appelé pour que li capable mener une vie de simplicité. Et tout le monde qui gagne le Saint-Esprit dans la vie, quelle que soit acquisition de vêtements ou après le faire, attendez bien, le monde qui gagne le Saint-Esprit, dès que Dieu habite dans vous, ou son monde comme si, cap prier, nous tous ces efforts n'a fait, ce n'est pas parce qu'on s'en péché, mais ou son monde cap goumen contre le péché, cap goumen pour faire la volonté de Dieu, et que vous prenez du temps pour prier dans tout ce qu'on fait, le bon Dieu bon aussi, quand vous retirez, dites-nous, dit bon Dieu béni, reste là pour moi, et que reste là, bon Dieu béni, l'oral n'en chope. Ce n'est pas gaspillé pour le gaspiller, vous l'achetez un green radar avec lui pour le faire, ouais, pour le faire une sorte de rivalité, l'arrivée dans la classe école Saba, et bien, vous dernier tête veste ou vous mettez, vous dernier tête jupe, on robe ou on se mette, ou pas qu'on est ce à qui niveau parle, ou pas qu'on qui quantité qu'obligé, ou pas qu'on depuis qu'il est là travail. Donc, pas essayer à le faire rival avec le monde pour nous faire, ouais, mais c'est pour nous vivre une vie de simplicité. Si l'argent, bon Dieu, mettez dans mais nous, ça que bon Dieu, bah nous, c'est pour nous vivre avec vous. Avec en pile simplicité. Donc, il y a deux cobs qui tombent dans mes noceurs et frères. Au lieu de gaspiller l'argent pour nous acheter un grade avec lui, pas de monde qui dit nous pas habiller. D'ailleurs, bon Dieu voulait que nous habiller pour nous propres. Mais bon, dis-nous, l'argent ou prend ou acheter un grand costume qui a coûté millions, hein? c'est même comme ça, m'ta ka di ou ka utilise pour acheter l'autre rad pour faire mon cadeau, gen ti moun ki nan la route pas gagner pour yo mette. On nous quitte, bon Dieu, utiliser nous lorsque nous gagnons l'argent, bon Dieu, nan men nous. C'est pas l'argent, pas non, l'argent, bon Dieu, nan men nous pour nous utiliser la bon usage. Na excusez moi si me prend pile temps, donc ça fait longtemps pas monter sur l'île et ça fait nous même des points de temps pour capable bien expliquer point de vue pas non. Merci. Thank you very much, Paf. Nous apprécions ça en pile. Ou pas qu'un problème. Et j'ai pas besoin de parler. Ou pas qu'un hésitant, on veut. Pas qu'un problème. Et nous vraiment contents. Et intervention, ça, parce que, bon, ou ça fait un résumé. Et chapitre 22, là, net. Et c'est exactement nous, ce problème, là, ça. Nous tellement fait souci de qui ça, nous, ça pourrait le dire. Qui ça, moun sa pas penser de moins. Maintenant, et puis qu'on a fait excès, que nous pas même car, n'a pas fait un série d'excès, qu'on a cause ni femme nous a souffri, ni tête nous a souffri. So, saints, listen, God has given everyone
Ça, lui, ouais, que vous pouvez supporter. Bon, tout le monde, ça, mesure que lui a besoin. Mesure qu'on a géré. C'est ça, bon Dieu, bah, ou. Donc, ça veut dire, on nous pas, on fait des efforts, côté que, maintenant, on a, et fait, aller à une série d'extrêmes, côté que, maintenant, nous parle, pour la souffrir, après ça, on a dit que, bon Dieu, pas bon pour nous, mais nous, on va réaliser cette décision, nous. Et, any other questions, par gain, n'a, bon, si vous avez une question, j'aime d'où là, puis étoile 6, dans le téléphone, étoile 6, c'est façon ça, pour capable, et monter, et pour me carrer que vous avez une question. OK? Puis étoile 6, star 6. Alors, et j'en ai dit là, chers frères et sœurs, là, nous, on fait étudier, on va faire pour, alors, comme si vous nous disiez point, vous voyez, ou bien, on a parlé avec le monde directement. Non, 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 non. Là, nous venons là, nous tous venons apprendre. Si nous pas venir avec un esprit, côté que, pour nous apprendre, nous pas de problème. Moi, m'apprendre en pile, de ça qui dit, intervention qui présente, yo, question posée, m'apprendre so much. So, chaque vendredi, m'apprendre. So, me dit, bon Dieu, merci. Et, faut que nous ayons un esprit, teachable spirit. Côté que bon Dieu est capable d'enseigner. Parce que là, nous prenons des bagailles, nous ne pas dire c'est pour un cabou. Et... Non, 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 non. In fact, si nous allons dans. Verset ça monte dans la tête, moi là. Et pendant que m'attend nous, si nous avons une question, nous, quand ça me connaît. Et si nous allons dans Acts. OK? Si nous ouvrons la Bible nous, ensemble avec moi, dans Acts, chapitre 2. OK. Acte 2, acte chapitre 2, si nous les versets, verset 36 et 37. Ça, nous connaît acte chapitre 2, c'est côté que Esprit Saint-Fin descend, et puis, Paul, Pierre campé, au jour de la Pentecôte, les prêcher, et puis, en plus le monde converti. Mais dans la prédication, les faits qu'on est que nous-mêmes qui t'es tué Jésus, c'est à cause de l'ignorance nous fait, nous t'es fait. Mais qui ça dit? Let's pick up the verse. Let's pick it up in, verset 36. Si nous gagnons Bible, nous, ouvrez Bible, nous, ensemble avec moi. L'appelé Acte chapitre 2, verset 36 et 37. Acts chapter 2, verset 36. 37. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now, when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Alright, thank you very much. Verset 37 là, nous lisons en français. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Okay. N'a plus verset qui vient après. Parce que leur fin des messages, Pierre. Il dit, waouh, je sentis pas mes messages à toucher. Il va dire, Pierre, non, et pour envoyer Pierre. Il va dire ça. Il dit, Pierre, mais qu'est-ce que ça nous fait? On nous regarde qu'est-ce que Pierre dit, puis on fait dans verset 38 là. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En anglais, il dit, verse 37, when they had heard this, they were, oh, well, she read it already, they were pricked in the heart and said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Verse 38, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So, chers et sœurs, tout le monde qui a écouté, chers auditeurs, il est clair. Il dit que dès que vous recevez ça, que le Saint-Esprit de Dieu, l'homme n'a pas présenté un message ou bien présenté une étude
clair qu'on par exemple étude nous fait à soi qui est clair. Ou pas mal dit ou souhaité qu'on mettait habillé en façon et nous parler de ça, ou bien qu'on et chercher pour meubler car ou en façon que nous parler à soi, hein? Pour pas dire ah non c'est point qu'à voyer là. Non, c'est vous faire même avec Juif là dans Actes chapitre 2 verset 37 pour dire mais qui ça pour nous faire? Frères et sœurs, qui ça pour nous faire? C'est question ça qui est posée. Et Pierre répondit dans le verset 38, il dit, repentis pour baptiser, pour sortir faire pas faire encore. Verset, et nous pour recevoir le don du Saint-Esprit. So, nous avons laissé attitude ça que nous-mêmes nous gagnons envers l'étude ou l'heure que nous présentons pour que nous ne pas dire ces points. Parce que si tout, Jean-Nous, et nous toujours dit ça, et si nous avons une conférence générale, vous avez un questionnaire pour nous, pour dire nous, pour nous quitter la grande ville, nous n'avons pas besoin de venir. In fact, you know, me, à, m'a pas critiquer, m'a pas critiquer, but, le nous vous disons, c'est pas dans le sens de critique. Nous avons une questionnaire qui se passe, là, parler de préparation pour, en anglais, il dit preparation for the end time. So, on pense qu'il dit préparation pour le temps final, pour la crise finale, whatever, petite idée, questionnaire qui est passé avant, questionnaire nous gagne, qu'on est là. Questionnaire ça nous gagne, là, qu'on est là, parler sous livre, acte. Mais questionnaire qui est venu avant, t'as parlé de petite préparation pour qu'il fasse pour la crise finale. Chers frères et sœurs, on est honnête. Pour nous gagner un questionnaire qui a parlé, nous, de préparation pour la crise finale, pour pas gagner un mot là-dedans qui parlait pour nous quitter la grande ville. Comment on a préparé? Oh man, I was very disappointed. I was very, very disappointed. Non, m'a dit ça, je vais me avec une attitude pour me critiquer, pour me critiquer, c'est pas ça. But, m'était vraiment déçu. Le moins nous avons un questionnaire qui a parlé de préparation. Préparation pour la crise finale. Le questionnaire nous avons qui passé, hein? Ouais. Et puis, questionnaire, par exemple, un côté, il dit, pour nous quitter la grande ville. I was very disappointed. D'après t'en oui, questionnaire, a gagné plusieurs autres, vraiment bons sujets là-dedans. J'ai parlé de Mac de la Bête, parlé de Babylone, parlé de, l'Amérique, la prophétie, de America and Bible prophecy. J'ai parlé de plusieurs bagailles. Il vient de parler de Sanchez, hein, vraiment. Mais, à plus, c'était de bagailles, petites bagailles là-dedans. Mais, m't'attends, y'en a, et sujet, oh, dans le questionnaire, hein, pour te parler de, et quitter la grande ville. Man, I was sorely disappointed. And then the reality, me, you know what? Yeah, that's to be expected. Because think about it. Think about it. Si pasteur prêche pour quitter la grande ville, l'église va bien membre. Les membres ont quitté. On nous parle censé ouais, son problème lié parce qu'il a quitté. Ça veut dire que et c'est numéro. Donc, on a toujours besoin de numéro, toujours besoin d'un pile monde. So, problème a une cause côté que, mais ça va pas apprécier. So, on me dit ça pour me faire nous connaître que, si on a prétendu pour que conférence générale, ou bien pasteur nous, ou bien, pour aussi, pour qu'on fait étude avec nous, pour montrer nous, comment pour nous préparer pour la fin, souvenir un cap fait, et nous dit bon Dieu merci, parce que nous connaissons quelques graines vraiment cap fait. But let me tell you, majorité, c'était ça n'attend, nous pas besoin. Avec pasteur et on l'autre bagage l'a dit encore. Bon, peut-être qu'à Claude, bon, Claudie, mais maintenant, either one it is, nous pas de problème, n'a pas parlé, pasteur ou bien bon, Claudie. Et comme moi, pas gain, un peu de monde qui réagit, tandis que moi, c'est un sujet d'extrême importance qui débat à soi. Et me penser que la raison qui fait un peu le monde pas réagir, peut-être que le sujet a vraiment touché eux. Et si c'est le cas, je suis content. Parce que son note positive, parce que le sujet a touché ni moi-même, ni vous-même, ni famille, frère Marc. Et ça a porté nous à prendre conscience
pour que nous capables de retourner, pour nous voir comment la vie nous y est, comment nous vivons dans le dernier temps, ça y est, comment nous relationnons avec Dieu, et qui progrès nous devons faire dans la course pour le ciel. La question par maintenant, c'est est-ce que nous pensons que gagner une relation qui existait entre ça n'a pas mis sous nous, à ensemble maladie que mon capran jodi a par rapport avec koyo qui exposé qui pas couvri parce que me pas quoi bon Dieu t'ai fait quoi pour te on ça pour exposer et dans la nature pour l'exposer à un ensemble de rayons. Est-ce que nous pensons qu'on relation entre ça que n'a pas mis sous nous avec un ensemble de maladies que nous attraper ou bien que nous ca attraper par rapport à mauvais comportement par rapport avec mauvais vêtements n'a pas mis sous nous. Bon, that's a very good question, and I see Brother Sonny also has something, but I think Brother Sonny has another question, or you want to say something else. But we want to make sure that we address this question. And Saints, we need help from all of you, okay? We need all your help. The question was, what we put on, does it have something to do, the way that we dress, the way that we expose ourselves, does that have something to do with disease that's happening right now? The disease that we can attract, does the way we dress have something to do with catching any type of disease, maladie, est-ce que je dois habiller d'une façon de capable de cause ça? Anybody have anything they want to say about this? Okay. All right. So I see. Well, let me. Brother Sonny, I don't know if. So peut-être que Mario va dire sur question ça, but either way, bon, let me let you talk. Let us know if you have something you want to say about the question. Yes. I have another question as well, but I also definitely have a commentary sur question. Okay. So you have one question, and then after that. Vous avez une question, pasteur, then pour vous poser une question parlant. Nous allons make sure we clear on that first. And then après ça, on va faire parler. Show me that you have a question so I can take you again so you can ask your question after we answer, pasteur, okay? Pas de problème. Okay, once again, bon sabbat tout le monde. It's always a blessing pour nous là. Ça que m'ta pas dit, avant que m'adresse les gens qui nous habillent, gonser les bagages nous qu'on fait qui simple tout. T'as par exemple, sleeping with socks on. We think of something, you know, of comfort. Nous donnons avec chaussettes dans pieds nous, but it causes a lack of oxygen. A lack of oxygen flow dans le corps nous. As well, t'as coup radio que nous mettez, radio qui serré. You affecter les gens qui sont nous circuler. On l'autre bagage nous t'as pas dit tout. Toujours dit bon Dieu merci pour moun qui gen canson pour qui prêche l'évangile à Jean Léa, no matter how or what the audience is. Fois dernière, yon fwem qui n'est l'église là qui prêche, qui t'a prêché pour l'église là, un jeune moun qui prêche jeune basse. And then, il t'a montré côté que, et m'a dit ça pour, I'm not shooting directement à mesdames yo, but this is just yon bagay. Il était monté parce que mauvais habillement ni dans mesdames ni dans messieurs tout. So this is not to, you know, shoot at the ladies, but yon bagay que l'était montré après recherche qu'elle fait, et si nous cap nous voulons capable faire ça, faire recherche personnelle nous, il montrait que moun qui était inventé talent qui type là, raison que mesdames yo non tant ça la vivre là dit que mettait là. It is not why lui-même l'était inventé. Il dit comme ça, lui-même l'était inventé, that les madames le mettent, vont se répartir sur le corps d'âme, qui vient comme son dadou, qui vient paraître. Donc, si tu as marché pied plate, are you here, Brother Sonny? We cannot hear you. Oula?
Bon, Brother Sonny, I don't know if we probably lost, or maybe nous perdons lui, mais nous pas attendons. Brother Sonny, est-ce que vous attendez nous? Ok, so, le retourne n'a point encore. La balle parle, mais, nous avons fait ce même carrément, levons nous là, hier, Brother Sonny, tombé, là, pour retourner encore. Ok, vous avez fait ce même carrément, levons nous là, dans, Exode 28, verset 2. Ça là, that's Exodus 28, verse 2. This is where, ça c'est côté que bon Dieu dit à Moïse, pour le mettre là sous Brother Aaron. Brother Sonny, I'm gonna let you talk, nous t'es perdu. Là, dans Exode 28, verset 2, c'est côté que bon Dieu a dit Moïse, mais qui rade pour mettre sous Aaron. Pour le poil dans lieu dans sanctuaire là il va faire travail li, mais comment vous l'habiller? Listen to this, saints, bon leçon là pour nous. Exodus 28 verse 2, it says, and thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and beauty. Saints, so l'homme était rad pour l'église. Ou gen deux purposes. Premier is for glory. So you dress for the glory of God. So lo habillé pour la gloire de Dieu. Et deuxièmement, for beauty. Ya ça va dit maintenant l'on parle l'église, faut aller tout déchirer. Non, ou parle la présence bon Dieu, faut habiller bien. Ya ça va dit faut extravagant. OK, gon différence, ça faut que nous balancer. Ça va dit faut extravagant, mais faut qu'on habille bien. Mais, numéro un raison, c'est pour gloire, bon Dieu. Now, on nous descend dans verset 6. Non. Verset 5. Oh, saint, this is so important. Pareil, c'est tellement important. Regardez, verset 5. Dans Exode 28. OK? L'idée, they shall take gold and purple and blue and scarlet and fine linen. Oh, rad kap sou araon yo. Lap gen ki couleur? Gold, bleu, purple, scarlet, and fine linen. Listen, tout couleur sa ou se même couleur ki nan kis nan santye la. Mais ki le son bon Dieu vle apprendre nous, chers frères et sœurs. Le araon habillé, rad ki sou li, fè konnen se nan santye la pou ale. Parce qu'il y a même couleur santye la. Ça veut dire, moi, avant, nous parlons de l'église. Rad qui souvent, faut qu'il y ait l'église où parler. Maintenant, moi, bon, il y a un monde qui a gagné ou pas gagné, nous a aidé. Mais, il y a un monde qui a gagné, rad l'habillé pendant ce maintenant. J'en l'habillé, ou parler de l'église, pas gagné, qui mange l'église où parler. Non! On le l'habillé, même couleur accentuée, là. Ça veut dire que, de où est-ce qu'on l'habillé, déjà qu'on est côté le parler, les services qu'il va faire dans le sanctuaire, là. So, moi-même, ça m'a fait, when we dress, people need to know exactly that we're going to church. C'est pas dans le club nous parler, c'est pas et blague nous parler. Non. Faut que vous habillez, puis vous êtes habillé pour l'église. Vous êtes sonné? Je connais pas tant où, mais je vais vous parler. Brother Mark, can you hear me? Yes, nous allons bien. So you didn't hear nothing at all? Nous t'étendons, oui. Ou te commence à parler de talons, moun ki te invente talons, avant ça nous vient perdu. Ok. So, I'm just going to continue from there. So, je nomme qui invente talons qui quitte là. Et ça que mesdames yo dit, raison qui fait omettre nan fin temps ça n'a vivre là, are two different reasons. And of course, chaque raison est inspirée par Satan. But, you know qui excuse, you know qui direct. So, par exemple, vous n'avez invité qui inventé un talon, lui-même lui gon but direct. Lui-même lui sali inventé, because like dame la fille mettel, the figure of the woman shows. Yes. In comparison, t'as par exemple, si que t'as marché, il t'a marché à terre plate, ou pas t'as pas forme collé. So par exemple, si fille c'est pas une fille qui trop gros, ou capable de dire I'm curvy type of woman. Même moun ki même fille qui pas curvy, depuis le met ça sur lui, il fait tout
homme comme lui paraître aux gens in a way it is sexually appealing. Et because, raison qui fait, les hommes, they are visual. Et là que l'homme là ou la dame là marche, même si la dame là te mette dress or pins, depuis le mette ça en bas de pied, l'elle mette elle tout pour marcher en gens. Because of course, on va pas marcher droite, parce que pied ou pas plat. So, pour marcher en gens, because pour marcher en gens, you also have to adapt to the way of walking in it. Et dès que vous commencez à adapter dans les gens qui ont marché là-dedans, dans toute partie de la corsa qui est exposée, vous venez paraître. Donc, ça veut dire que vous marchez, vous marchez en droite aux gens, vous marchez aux gens côté que vous n'avez pas de choix mais de voir ce qui se passe. Et parce que les hommes sont visuels, les gens qui regardent les dames, pour les gens, c'est les hips qui se passent. C'est les différentes choses qui se passent. Donc, c'est une chose capable de dire que les gens. That way of dressing, it is not of God. In the même temps, too, it is not healthy for women. Surtout, qui poil accoucher parce que mon même gros ventre qui met. It doesn't make sense. Il pas fait sens pour, il pas bon pour filles mettre ticket, si qui poil accoucher tout. Et même leur papa accoucher, même leur pas gain ou pas gros ventre. It is not good for the overall being of the body. Yes. It also yes. affects blood flow too. Et ça que me dit tout, takou in terms of comfort, you know, just to be comfortable, nous condamnons avec chaussettes dans pieds nous. That also affects blood flow as well, and lack of oxygen. All right. Thank you. Thank you very much, brother. Et question. Pour les gens qui a peine joindre nous, la question c'est que qui ça, gens nous a pas habillé, qui gens de maladie, des cas cause que nous gagnons. Now, en passe, pour me dire bien, gagne série de bagages que met, bon, c'est, par contre, si monsieur au fait, mais mesdames, ils me connaissent qui fait lui. Par contre, si gagne monsieur qui fait le tout, ils ont série de bagages maintenant vendus pour serrer vendus, les vendus gros. Par contre, comment les bagages ça? Yo mettez là en vente yo pour kembe vente là. Ça veut dire maintenant pour vente là par chaud, le monde dans l'assemblée dans public, puis ou pas wè son men qui gagne gros vente, puis wè son men qui gagne vente plate. Oh, c'est tire la petite tête nous, là nous fait ça. Circulation va bien travail et le circulation va bien travail qu'on a toutes sortes de maladies. Bon bon autre exemple encore passe. Où est-ce que l'extrémité dans corps? Ça veut dire main ou pied ou your limbs. Il est toujours supposé couvrir. Le par exemple ou non l'église et puis bon ici cap machine dans l'église hein? Et puis en partie ça ou pas couvrir. On nous dit your arms, your legs, your show. Mais ça doit arriver. When that happens, this is what happens, okay? The blood, sang, vient chill back. Et puis partie qui coule non qui fait non corps qui pas couvrir bien. Hein? À cause des températures différentes de parties dans le corps qui est bien couvert, hein? Sans venir tirer back, et then maintenant ça vient arriver, il y aller towards your vital organs, aux organes qui vitaux, c'est là sans aller plus, et puis qu'on a une cause toutes sortes de maladies. So, quand nous supposons couvrir, si people getting all kinds of disease, ils ne pas comprendre côté maladie ça absurde, c'est gens habillés. Parfois, alors, on peut faire mal. Premier bagage pour garder ça qu'on a posté sur mal, c'est est-ce que tu bois de l'eau et notre de l'eau et garder toujours habillé parce que sous nos chambres qui est ici et un corps pas bien couvert, l'homme dit bien couvrir. Ça veut dire your limbs, your extremities, ok, extrémité dans le corps, faut que tu sois bien couvert. Si partie dans le corps couvert mais main ou legs exposé, then ça affecte le sang, your blood flow, and then ça a une cause, ou bien peut-être fait mal, ou bien toutes sortes de maladies. So, passe, oui, j'en habillé exactement bien pour avec santé ou. Bon, là, ça, on était déjà parlé sur mon cap mette talon qui était bon. Donc, on a ça affecté colonne vertébrale ou un bon problème, ça mette. Alright, passe. Ok. Et, nous disons merci.
Et bon de sonner, merci. Merci, Frère Marc. Et merci à tout l'autre monde qui comptait donner et qui ont fait d'autres interventions. Et nous mettons sur une piste qui est extrêmement importante. Nous sommes des réponses qui ont même touché Foi et Pam spécialement. Par exemple, et l'on prend un monde qui fait Timoun, par exemple, madame moi fait Timoun, et puis, on dit, bon, m'achetons un bande de vente pour lui. Ça se dit, mais moi, en soi, je me connais, si bande de vente là, je ne peux pas imaginer que bande de vente là, pour poser l'autre problème. Tandis que, en pile monde, malheureusement, a mouru, faute de connaissance, et parfois, on prend l'argent, yo, pour acheter un bagage qui pour tuer, yo. Donc, ça ne devait arriver. Comme que bon Dieu ban nous, bénédiction que bon Dieu ban nous, nous utilisons le mal, les vins tournent contre nous. Donc, comme bon Dieu ban nous, n'acheter des sous-vêtements avec lui, ma patrie, ni à garçon, ni à fille, des sous-vêtements, spécialement mesdames, yo, des sous-vêtements qui, par exemple, pas coton. Parce que souvent, mesdames, yo, acheter des sous-vêtements qui pas coton, parce que sous-vêtements coton, yo, yo pas trop bien exposé, quoi, yo. Yo pas senti trop à l'aise avec yo. Parce que y a une série de sous-vêtements que yo fait avec ti pousseline, nylon ou ensemble de l'autre matériel. Dès que nous mettez sous-vêtements ça yo, c'est infection y a ba nous, mesdames. Dès que nous mettez type de sous-vêtements ça yo, ça fait, faut que nous garder qui ça n'a pas acheté pour nous mettre sous corps nous. Y a de sous-vêtements immédiatement aller dans un shop. N'achete yo, n'a fait réclame pour maladie, parce que ce type de sous-vêtements sa yo, yo trop sensible à corps nous, à organes génitales nous. En sorte que, on fit ou supposé acheter des sous-vêtements qui purement coton. Donc, comme que bon Dieu ben nous, faut que nous bien investir, faut que nous acheter de bagailles cap aider corps nous, cap protéger nous contre maladie. L'autre bagaille encore. Gain de rad nous qu'on achete. Mes chers amis, je ne vois soleil là, l'important, mais rayon soleil là, tout, li capable très dangereux par rapport avec ça que nous mettez sous nous. Parce que il y a deux parties dans le corps qui pas doué prendre trop chaleur soleil là. Et je dis à par rapport avec couche d'ozone qui mange, malheureusement, soleil là vini beaucoup plus chauffé. En sorte que lorsque nous exposons corps nous, à chaleur soleil là, à rayon soleil là, trop, eh bien, ça capable d'affecter nous. Donc, c'est pour dire, après action, nous yo capable d'acheter rad, capable d'acheter quel que soit bagay là, capable d'acheter sous-vêtements, faut que nous prêtions en pile attention. Et mesdames, yo, lorsque nous prenons dormir, faut que nous évitions de dormir avec soutien serré. Parce que le nous dormir avec soutien serré là, lui empêche circulation sans nous faire bien. Donc, il y a des séries de bagages que nous avons mis. Mesdames, autant que nous sommes capables de dormir, et moun ki marié, ou autant que nous sommes capables de dormir en façon beaucoup plus relaxe lorsque nous avons dormi, mettez des séries de rades qui ne gênent nous trop, qui ne pas serrer nous trop, pour que nous sommes capables de gagner une bonne circulation de sang. Parce que bon Dieu bénit nous, le bon Dieu bénit nous, nous avons acheté vie, rades qui pour tourner contre nous, acheter vie sous vêtements, acheter bagages serrés. Pour nous détruire corps nous, pour nous détruire santé nous, mais c'est pour nous acheter des séries de bagailles qui bon et que le nous mettons, il a facilité une bonne circulation de sang et a attiré bénédiction bon Dieu sur nous. Bon de Marc, je n'ai pas un mot pour me dire merci à Soya, parce que nous sommes traités un sujet d'extrême importance. Je pense que moi-même, je ne vois pas le mouvement en Haïti, c'est à le partager même bagaille avec l'autre jeune, avec l'autre famille, l'autre foyer, pour que nous capables ensemble préparer un peuple pour le retour de Dieu. Merci. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor. You know, et j'ai toujours dit, et surtout nous-mêmes qui avons accepté de présenter, enseigner vérité présente, nous toujours dit que oh, tout pasteur, c'est yo pas grand sérieux à prêcher. You know, we say praise the Lord for you, brother, pasteur estimé, parce que pas font bon travail et bon job utilisé en Haïti, parce que you know, pour jeunes pasteur qu'on a qui accepté message à gens nous connaît là, l'esprit de prophétie, d'enseigner bagage à eux, c'est pas facile. Sur leur nous venons grain, nous apprécions l'empile et parce nous disons merci. You know,
Et je connais qu'il va faire, et par la grâce de Dieu, il va faire un bon travail en bas. Et nous disons merci. Brother Sonny. Brother Sonny, I know you had a question. Let me go ahead and unmute your line. Pour me poser une question. So you can ask your question. Brother Sonny, you had a question. So you may go ahead and talk. Ça comme t'as parlé, it's not necessarily a question, but a comment. Devle faire sur ça comme t'as parlé, in regards of being extravagant. Non seulement dans la maison, là qu'on a pas acheté matériel qui cher, goûter que nous t'es capable de dire l'autre monde avec. En même temps tout, c'est pas celle. Nous t'as dit ça, c'est pas celle dans la ligne ça. Que nous, you know, we are extremists. Nous reconnaître côté que conseil des temps par exemple, mon enfant non l'école, qui part dans l'école that is like, you know, out there, qui connu. Même là mon enfant fait une gradué, il pas mettre degré à sous mien. Because l'école ça, si l'autre monde qui t'as dans l'école a vini, il ouais pas là, il a dit l'école là son l'école qui bas. With no credit, you know, with keep a connu, keep a known, he's not in the top 10. Vous comprenez? Even la nasa, the extremist, you know, we are extreme in that aspect as well. But ça que I wanted to say is this. I don't believe that God is against having nice things. And I believe that vie nous supposé on vit de service in the first place. I believe that over a period of time, we're capable to save some money to get something. Ça que pas d'accord is when on entre dans shop là, on set of couches. Was $5,000, and you paid all at once. Instead of, you know, dining room for $12,000, you had to pay in cash. And then, now you got to wait to be dependent on the next check. Ça que I believe that bon Dieu va la causer, c'est là que nous dépenser comme ça, et puis nous souffrir mais tout longtemps. All the bagay is this. Kote ke n'achete kay ki cher, nou mette e material ki cher nan kay la, and because of that, nem dormi pa ka dormi nan kay la. Same thing with cars. There's nothing wrong with having a nice car, but at the same time, that little Honda Civic, ka still menem kote avek Mercedes la. Mbadou pa ka chou Mercedes. But reality is secure at what cost? If it's at the cost of your salvation, your family, and your health, mkwe sa si son peche liye. But, mba di kon sa pou chak bag en achete, fol $10,000, fol $20,000, mba di kon sa that's what I mean. Let me go sa bonje is not against having nice things. Because I want to think about Solomon. You know, like you lead the Salomon, in the prophecy, in the inspiration, where the world convinced Nawai and Salomon to ask for guidance. Bon Dieu te lève, Michel, on peut écouter que le monde, well, for the glory of God, of course, he had a lot of nice things. You know, si vous êtes à définir extravagant, that would be Solomon's kingdom. You know, I believe that the Lord blesses moun that can handle the blessing. But raison ki fè m pense ki yon pin moun rive a prince sa kote ke menm le apache nan materyel yo peche, this is why. M kwe ke menm le nou apache yon Mercedes, menm le nou apache yon Toyota ou tatou, ke nou apache yon gwo kay ou yon ti kay, depi nou te konsyon te manje an van, nan desijon sa yo, I believe that the process would be blessed. And we wouldn't be disappointed. And we wouldn't be, it would be a glory
to God rather than being a curse to us. All right, thank you very much, Brother Sonny. Sister Brainy has something. Bonsoir à tout le monde. Moi-même, d'après ça, pendant que Brother Sonny a parlé, j'ai des idées qui montent dans la tête, moi. Par exemple, il n'est pas obligé d'entrer dans le shop pour un salon $3,000 pour bailler all at once. Je suis un peu confus là. Moi-même, mais qui j'aime, m'entrer dans le shop, moi, en salon, je suis pas obligé d'acheter le malte. Moi, j'ai un problème avec ça. Vraiment, j'ai un problème avec ça. Parfois, on allait nous faire excès. Parfois, nous mettons peut-être que Satan. Mettez des séries de bagages pour nous, pour nous devant nous, pour nous toujours travailler, parce qu'il faut qu'on travaille pour payer. Je peux acheter un caille, mon gros mortgage. Mais je peux acheter une télévision, mon gros paiement. M'acheter un salon, mon gros paiement. M'acheter une salle à manger, mon gros paiement. Tandis que je peux aller dans un petit shop, m'acheter une salle à manger à plus bas prix. Je peux aller dans l'autre shop, m'acheter un salon à plus bas prix. Est-ce que nous comprenons? Moi-même, je ne peux pas dire, on ne peut pas afforder, j'en dis un. Ou afford it, but nous toujours comprendre que lorsque on nous a fait pile cob, ou a fait pile cob, ok, m'bawal zoki gens de fournir chop pour mettre la caillou, m'bawal zoki gens de salle à manger pour mettre la caillou, mais on nous pas fait excès, alors excès c'est le wagon bagay, but nous cas on nous pas fait trop pour mettre, pour use tout ce gain et pour oublier le petit malheur qui t'a gain. Vous comprenez? So, je pense que c'est paiement le mois. Alors, ma opinion pam, bien dit oui, ma opinion pam. Fait paiement le mois sur un salon, I don't think it's real. Fait paiement le mois sur un salon à manger, to me, I don't think it's real. I don't think it's something that we should have never done. Ça est une opinion pam. On monde doit être différent, mais moi, c'est ça me pense. Thank you. Thank you, Sister Brainy. Well, I have Brother Sonny has something else he want to add. But before Brother Sonny talks, let me say this. Tout nèg pa gen même l'argent. Poche tout nèg pa gen même fondé. Gen nèg poche li plus fond que on l'autre. On nèg gen doit OK, nous dit deux familles a cherché son salon. Famille ça, li son salon $200 li ka acheté. Il li c'est sa poche li ka bal. Gen l'autre famille poche li ka bay on salon $2,000 sans problème. OK. Problème non, again, li pa nan the fact that moun sa achete sa ki pi bavri et puis sa achete sa ki pi chè. C'est pas là le problème. Problème nan c'est motive ou your mobile là. What is your motive for buying what you're buying? C'est là le problème. Qui motive là? On dit oui son bagay vre ou gen kòb la ou ka achete l. On nous dit, on fait bel cob, ou cache ton salon $4,000. Ou cache-t-il sans problème, il n'y a pas de bon problème sous acheter. Mais le problème, là, qu'on y a là, c'est qui motive vous, pour qui ça, c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est pour mon café, mon ouais, début, c'est ça, then là, c'est là le problème, là. Vous comprenez dans les deux, là. Si par exemple, vous achetez un salon, hein, $4,000-$5,000, et vous stylez un cob pour aider l'autre frère, c'est ça qui n'a pas de problème. Pas mal de problème là. Problème là, again, c'est qui mobile ou motive là. C'est lui bon Dieu garde. Ok? Bon Dieu garde dans le cœur. C'est là bon Dieu sonde nous. Pour voir qui raison fait nous faire ça, nous faire. Pour la famille. Yeah, thank you for that, Brother Mark. I'm d'accord 100% à ce dia. And I want to be clear, like, you know, what I'm talking about buying something. Donc, par exemple, moi-même, personnellement, I don't like debt. Côté là, moi-même, plutôt, you know, si vous dette, plutôt pas gagner. You know, but this is what I'm saying. Donc, par exemple, of course, it is your motive. Si vous voulez acheter, Brother Mark, je pense que I can save for it. Ou comme ça, je là, I can save for it, and let him win cobra, that let him acheter, it won't be a burden. You know, this is my thing. Make it simple. Talk by example. Everybody, chaque moun gon goût différent. That's the truth. And, sa ke remè,
I may not like it. You know, some it's just a card. Somebody mshita. That's your personal opinion. If I want a nice couch, I can afford it. I can save for it. I save for it. But at the same time, it's about your motive. Is it to show off? It may not necessarily, just because it's expensive doesn't mean that I'm buying it to show off. This is just where I'm at, you know, financially. But all about I'm talking about D2 in terms of cars, right? Talk about example, the brand new Mercedes, you know, SUV for the family, like 3 rows. This thing is almost, you know, fully loaded. It's like Presque Samin Lola. With this Mercedes format, I can buy like 3 other cars. Ça veut dire là, personally, moi-même, moi pas ouais ça nécessaire. Because même genre son machine pour ranger, me cacher, qu'il n'y a pas de machine pour ranger, that is cheaper. And also, in thinking of helping someone else, quand on fait ou bien on sait normalement, l'église là, qui pas de machine. Si m'acheter une machine pour ranger, half price of that Mercedes, moi, l'autre reste comme la critère, on peut arrêter des fois à qu'on l'autre sait, get a car. Because reality is that if I bring the brand of the car, if I give it to Valia, you know. So I'm saying there's an extreme in every aspect, and at the same time, the preference. Chaque monde a préférence pour eux. Des monde that's okay with it. Des monde par exemple, même là où t'es riche, their car will not cost any more than $500. That's the reality. All right. Thank you. What is Greg? Yeah, so for what was said before, Brother Sonny and Brother Mark and Brother and Sister Mark and even Sister Muse and even the pastor, the response were amazing. I love all the response that has been coming through. I just wanted to add a little bit to the question. Like what you guys are saying, the balance and the mindset and the motive that plays an important role. I don't remember exactly where it is, but the spirit of prophecy, Ellen White, also speaks of buying stuff that will last. If I should buy Ellen White, you have to buy in cheap. It has to be cheap. There are some things that cheap. It's all about using discretion. That's why we as Christians, decision nous faire pour que nous nous demandons le bon Dieu pour la laver nous, nos décisions qui savent nous faire. Si nous pas acheté un bagage, whether it's in the house or whatever decision we make, Lord, come with me. Give me the right mindset. Par exemple, pour le monde qui a un problème, qui a un problème, whatever it is. So they call a contractor to come in, and the contractor came in and said, okay, you have to do your kitchen. To do a kitchen, it's going to run you $20,000. You're going to be, oh, no, I'm not spending that type of money buying for stuff, which is true. And then when you're going to, the contractor says, okay, come here, come here, when you're going to start, I'm going to start me doing it. All right. Now the contractor says, all right, make quality keys in $1,000 while ball. And then when I'm going to say, okay, I'm going to go with that. Where mom, you started teaching that and everything. Second, passé, they have to redo it. Because my cabinet starting to fall apart. You have this and that starting to happen. So when I'm going to work, and then the concept of that, it's a bag that last longer. This is a bag that finish right away. So it's all about discretion.
En même temps, il y a qui dit qu'il y a $100,000. That's excess. Quand il y a là où Marvel and you're trying to show. But I believe there's a balance in what the council is telling us. Our mindset shouldn't be extravagant. We shouldn't, everything we do, it has to be extravagant. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui that's their mindset. Il ne va pas acheter rien qui va bien long ou bien qui va look good ou etc. Our mindset, can they say about that? Gosh, they're cheap without a problem and they last. But then there are other things. So, if you buy it cheap, it's not going to last you 2-3 days. There's some furniture. You can pay $300-$400 and you go home. And then there are other furniture that may run you $800, etc. But then there's excess. So, I believe. That's why these matters are so delicate that we have to have the wisdom of God when we make these decisions. And Brother Mark Jean-Gilard, there are people that's very wealthy. Not everybody's pocket is the same. Well, one, there are people that literally, they make millions of dollars that are Christians. They have a tip. They're sitting on millions of dollars. Now, what they do with that money is also that's between them and God. But our main focus, really, if your focus, if your heart is like, there's a storm coming, and I need to warn people, whether you have a million or you have $200, you're going to use that means to help, to warn. But if you're like, oh, I got time. Whether you have 200 or you have a million, you're going to use that money to buy things that you think will last a long time because you have time. So I think it's the motive. Do we really realize we're living in a time where this thing can blow any day? So whether you're a millionaire or whether you have $200 in your pocket, we have to consult the Lord on the decisions that we make. So I believe there's a balance that we have to have. There is excess, there is show, there is extravagance, and also there is wisdom on certain things that you buy and certain things you purchase. You want to make a wise decision because you don't want to have to do it over and something that could have lasted you 10, 20 years, you have to do in 2 or 3 years. So now you're spending double when you could have spent that money one time. So discretion, wisdom from the Lord is very important on these matters. That's what I want. Thank you very much, Brother Greg. And I agree with you. Makes a lot of sense. Shabbat, sir. Faut que nous balancer. You see, dans le monde qu'on a vivre là, parce qu'il est facile pour tomber dans un extrême. OK? Parce que il y a des gens qui pensaient que, si me paraît pauvre, then ça montre qu'ils sont bons chrétiens. Mais non. Et on est pensé si l'habillé, on façon comme c'est regardé, parce que c'est regardé chiré, et on pensait ça qui montre humble. Et ça qui montre mon humble. Non. Non. So, we need to have balance, saints. Faut que nous balancer. Ancien Elder Carl, you have something. Go ahead. Yes, hello. Happy Sabbath, everyone. Bon Sabbat, tout le monde. Il est vrai que m'a eu trop longtemps depuis le monde là. Même t'as des discussions, hein. Il intéresse, hein. Je salue au Brother Mark, Brother Greg, Brother Sonny, everybody else. Moi-même, quand je vis dans Chicago, j'ai un bagage que moi observé dans la communauté juive là, parce que Chicago il y a un pile juif et surtout au nord de Chicago, ça que moi remarqué et c'était un monde qui était attiré l'attention sur ça. Ou pas plus jeune joindre un juif qui a une machine comme si et qui pas qui toi arrangé. Par exemple, si juif là, c'est une seule machine là, il connaît le carrefour pour l'acheter,
La make sure quand même machine ça capable prendre 8 places. Pour qui ça? Parce que à n'importe quel moment capable qu'il y a une famille qui sorti en Israël qui vient dans le pays qui just come faut capable d'avoir espace pour aider famille ça. Donc juste là c'est ça fait yo prospérer et yo béni parce que tout ça que y a fait yo penser à communauté. Yo pas penser à madame petite et puis d'autre. Même si tu as un juif à courir un bel Mercedes ou bien un bel Volvo 4 ou 5 places mais ou pas bien peur ou mettre sur que les grandes deuxième machine quand même et qui sont minivan ou bien un gros Chevrolet qui est capable de prendre 8 monde quand même parce que yo croient dans ça yo croient que si on bon bagage fort capable bien matériel qui est capable aider les autres. Donc on passe nous même tout à 37e jour et alors que ma étudié avec des apôtres non ouais et comment l'église primitive était fonctionnée côté que tout ça au gain était pensé à l'autre monde passé et en pile fois nous fait ouais ça ouais et que doit en famille acheter seulement un seul de machine là pour $15,000 alors que $15,000 ça était capable. Alors parfois nous on pas penser à ça mais et ça c'est une des bagages que moi bien moi une affaire positive que moi apprendre et de communauté juive là parce que il y a tout ça que il y a acheté ou bien que il a gagné il a make sure que n'est pas servi peut-être seulement mais il est capable de servir à un monde ou bien l'autre famille ou bien l'autre prochain qui est dans le besoin. Je pense que nous-mêmes, nous devons faire de même parce que nous prévenons longtemps là à côté que et tout ce qu'on va le couper, donc il faut que nous soyons capables déjà à développer l'esprit d'entraide. Ouais, on va le dépenser comme pour acheter un bagage. Il y a des coûts aussi pour ne pas acheter un bagage qui n'est pas utile, peut-être ou bien soit bon seulement, mais qui est capable d'utile l'autre monde tout. Donc, c'est sûr, comme si l'aime vin, ouais, conception ça, je flaguais, m'vin copier ça, m'vin faire ça en imitation. Donc, et ça fait depuis, lorsque m'a acheté le deuxième match, moi, j'aime toujours mes chaussures, quand même, font bon machine, ce rôle-là, quand même. De toute manière. Si m'a acheté deux machines, bon. Si tous les deux pas qu'à prendre 8 mois, mais au moins une dans yo, il faut qu'il soit capable en mesure pour, si on ferait, on se pagne moins avec l'église, les mains de ma petite finchita, il faut qu'il soit capable d'y avoir au moins 3 autres espaces pour qu'il soit capable de prendre l'autre famille au complet qui doit, pour une raison pour l'autre, pagne de transportation. Donc, ça n'est pas venu de nous-mêmes, mais nous observons, nous est bon. Et nous, elle est bien, nous comprenons qu'en tant que chrétien, nous sommes tous capables d'imiter même pas elle. Thank you, brother. En plus, c'est un bel, ça c'est un bel angle présenté là. Dans le sens que, l'un a, whatever ça a fait, on nous fait là avec l'autre monde dans le mind. Si par exemple, son kaiwa, et nous toujours parlons de ça, si tout nous-mêmes, cap et c'est venu dans le country. L'on vivre à la campagne. Faut qu'on pense à l'autre monde. Quand on fait ou bien quand on prachete, faut qu'on mette dans la tête ou quand on a l'autre famille, ou quand on a l'autre monde qui a besoin, c'est là pour venir là, quand on peut faire deux jours jusqu'à ce qu'il a établi. So, moi-même, vous présentez à Elder, l'un a prachete, ou la personne a prachete, on nous pense à l'autre monde. On va acheter une machine, il fait sens, oui. Il fait sens, on pense à l'autre monde. Et non, tout le monde fait une chita, madame, tout le monde, et nous avons place, des droits place pour aider, on l'autre frère, ou bien on raille, on marche, peut-être qu'il n'y a pas gagné. That's a belle, that's very nice. I didn't think of that, but thank you, brother Elder. Brother Greg. Yes, I just want to add this short thing. In Diane and Sadie, Brother Carl, also, Brother Carl, I hear you. I think of Jesus. Jesus said,
In my Father's house are many mansions. If it were not so, I wouldn't tell you so. I always thought, like, why did he say that? Why did he tell them this mansion in heaven? What was the reason for that? And we know that the streets of heaven is gold. There's pearly gates. It sounds very rich beyond a wisdom, beyond something that we could understand. But here's the difference. It didn't matter how much God had, he would leave it all if he had to save one of his children. So the principle I believe God is trying to show is that the reason why a lot of us can't have mansions, etc., is because we have self. And if we were like Christ, self-denial, where it doesn't matter what we have, we'll be willing to sacrifice it all to save somebody that's hurting, that's in trouble, or that don't have. Look at Abraham. Abraham, he was very rich. But the Bible says his mind was focused on the city, the builder and maker God. That's what we need to be. And then if God wants to give us a lot, him. If he doesn't want to do that, please him. Because we continue to exercise self-denial. Brother Greg, for some reason, I think it's the it's the country connection. it's kind of. Go ahead. Can you hear me now? Yes. Yeah. What was the last thing you heard? We might continue. You can continue. Yeah, you can continue. Yeah, I was just saying that the Lord. He could make us rich if he so choose to, or he can keep us mediocre if he so choose to. But his plan is not more so to afflict us, stay in this life, continue to be afflicted. If we're continuing to be afflicted left and right by him, that means there's some terrible defects in our character that he's trying to get out. And the Lord, he painted a picture about heaven, having mansions, streets of gold, and etc. So, if we have a self-denying spirit in us, where we always think about the other person, then the Lord could do more. And that's how Jesus was. That's how God was. Heaven is very rich, but he left all of that to come and die for fallen man that was going to spit, that was going to hit, that was going to curse him out. So the more self that is dead in us, the more God can do. And he loves good. Okay. At the very end here, we're having some trouble to hear you at your last few words, but nevertheless, thank you, Brother Greg. Saints, we have to realize something. God is not a God. Nous sommes chez le peuple Israël la montré ta calaran li ba yo, you know, bel côté teki bien préparé, bel bagaille, li ba bel bagaille. So we're not saying that, you know, you need to have something ugly. We need to make sure that this is clear. Nous voulons make sure que tout le monde comprenne que nous pas dit c'est bagaille laid pour gagner. No. Parce que je viens de dire tout à l'heure, il y a des gens qui pensent que si vous avez l'aide, si vous avez l'aide, l'heure ça veut dire humble. Non. Il y a des gens qui sont pauvres, qui sont riches. Comme si vous avez
resentment contre le monde qui est riche là. Non, non. Ça leur fait ça au péché. Au péché. So, bon Dieu, pas vle pour que nous cherchions des choses qui l'aide pour nous dire nous faire montrer nous herbes. Non. Et, whatever means bon Dieu, by nous, we have to be judicious about it. Pour nous bien contrôler. Parce que nous gagnons pour nous répondre à bon Dieu, j'aime nous dépenser l'argent. So, if we want to answer to God for how we spend our money, then we need to be judicious about it. Okay? Pour que le bon Dieu pose nos questions, then nous capables de pour nous répondre. Si tu dépenses tel argent, mais qui raison, où tu dépenses, c'est pas parce que tu veux faire un lien extravagant, c'est pas parce que tu veux faire mon ouais. Parce que, the study tonight, really, that's really the bottom line of the study. C'est extravagant à faire pour mon ouais. Parce que mon gen ça a besoin de tout ou vinn bon esprit de rival comme si mon ça gen ça faut que mon gen tout c'est là problème là. OK et façon mon habillé il va s'habiller façon ça faut lui-même les mecs faut l'habiller pour le même genre tout et qu'on a la vinn gen problème à droite à gauche. So that's where the problem is. Any other questions guys? Anybody have anything else that they want to add, even if it's something else, we can talk about it, even if it doesn't have to do with our subject tonight. Anybody have something else before we close? We have Brother Sonny. Brother Mark, I wanted to ask you this question, and you kind of answer it in a way, but I just want I want a more direct answer. Make it something for Monday. Now, what I'm saying is that we don't think that we maltreated that new means that we're humble. Make it some different Monday. Think a type of vie on mon vive, l'irreprochable. Isn't that a reflection of your God in heaven? Si la vie mon vive là son vie irreprochable, en nous pensez. Yeah, bam kake l'exemple. Tant que par exemple, côté moun arrêté, gens que la vive, tant qu'on nous dit comme ça, tant que par exemple, you know, moun apprêché l'évangile, moun live in the country, practicing, you know, they are practical in their lives and different things like that. But kos moun dadou, côté moun arrêté, côté qui l'aide, li pa présentable, li pa, machine moun ap conduit, li pa rien, and because it comes down to lifestyle, and compared, and you know, to the average of society, it's below that. Est-ce que ça va reprocher mon gélier? Yes and no. Yes, il va reprocher mon Dieu si mon gen means, but li pense c'est ça pour le faire pour humble. And then li faut li on côté sale. Then yes, it becomes a reproach. But si t'es pas moun nan gen seulement, si t'es un petit machine longtemps, t'es old cars moun nan ka afford, et seul, il pa ka fè an yen, parce que ça ou ka gen, then, bon Dieu, moun nan. Vous comprenez? So that's why I wouldn't say straight yes and straight no. I really think it depends on the situation. Si t'es un moun ki gen, moyen. Mon a gen moyen. Mais mon a pensé que faut que li vivon façon bas pour mon ka wel herb. Now, I think that could be a reproach. But si ti malè a se sèz al gen, nou konnen gen neighborhood ki mwen chè ke lot neighborhood. Neighborhood ki pa chè yo, nan kati pa chè yo, se la ki gen tout tapaj, desod, moun ap tire moun, e la gen ti bareta yo, pafa moun nan re la moun nan ka afford. So then what should we do? Se de sa moun nan ka afford. So that's why I couldn't say yes or no, but I think it depends on the situation. I think Mills has something she wants to add. Yeah, mwen jist gen reposta mbakon ti out of subject, but I'm thinking, parfois we are in the situation, nous dans situation ça, because God is working in us.
Li kon travay la fè nan nou, se la pou ki to. Mou te met ta preche l'évangile matin, midi, swa. Ou kompran? Se la pou ki to, paske peut-et li wè. Si li bo li, si li bo sa ki pi bon, den nou kop komanse slack. San bi slacken. Men paske gen pil, vase menm jen a pale, a gen bagay nou genyen ki bon pride. Kompran ki mette trop onè sou tèt nou. Ou kompran se kon ni a travay bon devine neglije. So, si bon Dieu wè, li bon travay la fè ansanm avèl, se la pou kite l fò waw, den moun ap la pou an bon titan. Men tout pozisyon ke nou la dan, kèkè sa wè pou chap ke l travay, se pou nou bon Dieu glorifye. Kèkè sa pozisyon ke nou travay la dan nan, menm se nou wè pou chap, nou travay te pa kapa pi de grad, pou an piti bon Dieu te karete, nou bon Dieu gen pou glorifye la dan kan menm. Sa m devle di. Thank you. So, sa vè di ke, we're not going to al viv an kote ki reposhab jes pou nou di ke pou bon Dieu ki ave nou. Menm kote an tou, ou pa wal di, well, lò gade pe tchèk ou, ou wè ke ou pa kapab gen yon kay pou ap paye $1,500 pa mwa. Ou wè sou fè sa, ou wè ke ou pa ka paye. Now, ou di koto rete, ou santi ke li reposhab pou bon Dieu paske moun wal panse ke bon Dieu lan pa an grand Dieu paske gade koto ap viv. Ou nou ale wal pon kay pou paye $1,500 ou konen ti kob ap touche an pa ka fel. So la, ta se problem. So that's why I think, if you want me to do not have a, I don't think it's a black and white, like, kom se fe ou malè, kom se mde gado, it's cut and dry. Like, this is it, this is, no, I think it depends on, it varies for different people. So, in that sense, something ki ka mal pou moun, peut-être il va mal pour l'autre monde parce que moun sa li même li en mesure pour faire ou même qui pas en mesure pour faire ou faire ou pécher parce que bon Dieu c'est là peut-être genre mieux dire c'est ça peut-être pas parce que là bon Dieu voulait pour le côté qui semblait qui pas rien il voulait pour là pour changer travail sur caractère pour un petit moment but li gen pou leve ou. Kon sa tou pa, jom konen how long is it gonna take. So, I wouldn't say kote moun nan viv lan, kote moun nan yon se yon refleksyon de bon Diyo moun nan sevi an. Not in all cases, I wouldn't say it. Voilà, Sonny. Okay, well, thank you for the feedbacks. I appreciate that. But it's just that, jusque, like you said, there are a lot of precautions pour ne pas find ourselves on the extreme side of things. Mm-hmm. Because nan même temps, gen moun ki même j'en dis, gen moun ki peut vivre un gens qui vraiment bas to claim that they're humble. You know? Right. But I think that as the Lord provide and as we counsel as well with the Lord, you know, before we make our decisions, I believe que nous pas tomber na erreur. Exactly. But I guess I'll ask one last question, but it doesn't have to do with what we talk about. Okay, go ahead. Okay. So it's about spirit of prophecy. Is it only Ellen White? Why is it that it's Ellen White? Books that we only consider spirit of prophecy. Okay, thank you very much for the question. So, nous avons des questions saints, nous avons des questions dans ces adventistes que nous avons, questions adressées à nous toutes. So, question a dit, est-ce que c'est seul les écrits d'Ellen White qui sont considérés comme l'esprit de prophétie? Pour que ça nous adventiste, c'est et là, nous dit l'esprit de prophétie, nous automatiquement pensons à les écrits d'Ellen White. Pas de qui a un élément de réponse. Nobody has a question. I mean, nobody has an answer. Non. M pa belive ke se selman Ellen White ki l'esprit de profesi, se ekri li yo selman ki l'esprit de profesi, parce ke nou gen liv nan Bibla, apil profet, ke bon Dieu utilize,
que bon Dieu t'a utilisé, qui était des prophètes, qui t'a gagné la même attitude que Ellen White t'a gagné. So, m'pa pense que, c'est Ellen White, parce qu'il y a un grand prophète dans la Bible, qui foretell things. So, that's what I think. Okay, thank you very much. Let me let Brother Greg. I have some verses, but let me let Brother Greg talk first. Brother Greg. The Bible says in the beginning, the Spirit of the Lord hovered upon the deep, on the face of the deep. That means the Holy Spirit is the one that's been here since the beginning. And the Holy Spirit is the one that spoke through Ellen White and speaks through other writers. Like Sister Mew said, I don't believe that just Ellen White is inspired, but she is the prophet. The Lord has proven that to us, that she is the last, she's the modern day prophet for our time. He has proven that through the visions, through the physical things that she went through. But Ellen White died a long time ago. So we still have the books, but the Holy Spirit is still here, and he is working through different men and women for the word to go forward. That doesn't mean everybody has to fall and have a vision, everybody has to write 50 books, etc. Everybody is being used on a measure by the Holy Spirit to further this message. There are some things that I would hear men that is inspired by God say that you don't find word for word in the spirit of prophecy or in the Bible, but the context is there. And it's because he is still leading. I believe the Holy Spirit is the one still leading, and he can do whatsoever he so choose. Now, we have something that we can base everything off. The Bible tells us, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it's because there is no light in them. And we have several scriptures that give us an idea on, if somebody come in the name of Jesus, how to weigh them, how to test the spirits, like the Bible says. So we shouldn't close our minds to any servant of God and say, only Ellen White, nobody else, because the Lord spoke to a lot of the pioneers too, and he gave some of those guys visions. So it's just a matter of testing the spirits, testing them to see what they're saying, and if it lines up with God and the movement that he started. That's what I had to say on that. All right, thank you very much. Brother Sonny, get your Bible for me. I'm going to walk you through three different verses in the book of Revelation, and hopefully that will make some things clear. All right, Revelation, Brother Sonny. So, nous parlons d'Apocalypse. Premièrement, on a l'Apocalypse premier, d'après verset 1, 2, 3. OK, Revelation 1, verses 1, 2, 3. We trying to answer the question, is the writing of Ellen G. White the only, is it only the writings of Ellen G. White that is the testimony of Jesus, the spirit of prophecy? Okay, so I don't even need to go, mba men bezwen ale aven na Apocalypse 19, verset 10. First of all, nou konnen Apocalypse 12, verset 17. Ça le dit, nous, il dit nous, Satan et le dragon est irrité contre la femme, mais ça en a fait guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous comptons témoignage de Jésus. Nous connaissons Apocalypse 19, 10, il dit nous, témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Testimony of Jesus, according to Revelation 19:10, testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So, keep that in mind. Anytime, tout ça nous va lire là-haut, chaque fois où est testimony of Jesus, just mettez l'esprit de prophétie là-dedans. Then, aider et clarifier quelques points. Okay? Every time you see testimony of Jesus,
just replace that with the spirit of prophecy, because that's what the Bible says it is. Now, let me read. Revelation 1, verses 1, 2, 3. Christ, which God gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass. And he said and signified by his angel unto his servant John. Qui est John hier, verset 2 à répondre? Who bear record of the word of God and the testimony of Jesus. So John also had the testimony of Jesus. So John had the spirit of prophecy. That's in numéro 1. Now let's go with me to Revelation. Well, notez parler de verset ça. Revelation 19:10. Yes, but let's go to it because I have another gon l'autre point bleu faire passer sous lui. We know that verse very clearly. Revelation 19 verse 10. Again, John saw a vision. Now, in the vision, John saw an angel. And then John verse 10 says, "I fell." Ça c'est Apocalypse 19 verset 10 là. I fell as it had his feet to worship him, and he said unto me, "See thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus." So the brethren, now listen to this: the brethren that have the testimony of Jesus. So there's a type of brethren who gain the testimony of Jesus. Let's see who those brethren are. Revelation 22, verse 9. Okay, the probably no Revelation 19:10, the fellow servant and the brethren. So we need to know the fellow servant and the brethren, who they are. The fellow servant qui gagne témoignage Jésus. Okay, so whoever those fellow servants are, they are those that have the spirit of prophecy. Okay, let's read Revelation 22 verse 9. Okay, Apocalypse 22 verse 9. Then said he unto me, "See thou do it not." Again, it's the same thing. John, where un ange encore là, il met à genoux devant pour l'adorer. Angelon dit, "No, do not do it, for I am thy fellow servant," the same word, "and of thy brethren," the same word, "the prophets." So who has the testimony of Jesus? The prophets. I don't know if that makes sense. Hopefully it does. If it doesn't make sense, go over these verses again when you have time, because this is clear. So the person that, those who have the testimony of Jesus, those who have the spirit of prophecy, are the prophets. We put in those three verses together, clear. It shows you that those who have the testimony of Jesus, those are the prophets. So, on est là pour connaître est-ce qu'il y a un monde qui a un témoignage Jésus ou est-ce qu'il y a un monde qui a l'esprit de prophétie là qu'il y a besoin de tester lui avec tout test que nous supposons par les prophètes. Et Sister White passe tout test. So, il passe test, so c'est ça qui fait que nous acceptons écrit Sister White comme étant, il fait partie de l'esprit de prophétie. Mais ce n'est pas lui seul qui a l'esprit de prophétie. Tout prophète qui écrit dans la Bible. Parce qu'il dit ça là, il dit, the fellow servants, the brethren, and the brethren are the prophets. So, tout prophète ça a eu, tout est gagné l'esprit de prophétie. C'est même esprit qui est inspiré, prophète ça a eu, c'est lui-même qui est inspiré, Sister White. So, that's my answer to you, Brother Sunday. Thank you, that's a very good point. What is the verse before you read Revelation 22:9? Revelation 19:10, the one that we all know. Okay. Cool. Revelation 19:10. And then also you go to Revelation 1, verses 1, 2, 3. Those kind of make it clear that John had the testimony of Jesus. And Revelation 19 says the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And it also says the fellow servant and the brethren, say you mem ki gen the spirit of prophecy. And who are the fellow servant and the brethren? They are the prophets. So the prophets have the spirit of prophecies. All right. Okay. Thank you. Okay. Praise the Lord. So, guys,
I believe it's getting a little late. Unless si nous avons une dernière question à prendre. But if not, we will put an end to our study for tonight. Qui t'aime dire que et tu l'as soué à moi, mais moi, apprendre un pile de lit. Moi, dis bon Dieu merci. I thank God for the study tonight. I praise the Lord. And, moun ki, peut-être qui souligne la pensée que, bien l'autre monde qui a bénéficié de l'étude ça, ben, just fait nous connaître et puis, n'a pas rejoint le recording on YouTube. Well, if you subscribe to the YouTube channel, to the ministry's YouTube channel, Out of the City's Ministry, if you subscribe on it, once we upload it, then you will get a notification. So you can do that. That way you can share étude ça avec yon l'autre monde. So they will subscribe à channel là et là nous mettez étude ça sur channel là. On a besoin de lui, on va partager là l'autre monde nous penser que a besoin lui. So nous sommes censés remercier tout le monde qui t'a participé avec nous et passe encore une fois nous dire merci parce que nous toujours contents là dans zone là participer ensemble avec nous. Et nous devons que bon Dieu continue et bénir le ministère pour capable aider le peuple en Haïti pour avoir un message. Et si un message en rien, sans ne pas manquer en rien, nous disons bon Dieu merci. Et tout le monde qui est sous l'inna avec nous, nous disons merci. Again, we thank you all. We'll see you next Friday, guys. Let's say a short word of prayer. Father in heaven, we thank you for your presence. We thank you for your mercies, your grace towards us. We thank you for allowing us to come together and to study your word. Oh, Father, we pray that you will be with us as we now depart from one another. May what we study tonight, may they stay with us. May they stick in our brain, and Father, may we be able to share those with others. Thank you for all you've done. Be with us, I pray, in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone, for your time. Thank you for tout petit moment de débattre ensemble. Rendez-vous nous, c'est pour vendredi prochain à 8h, si Dieu veut. Bye bye.